Voilà, je suis là, OMG, oh, si pressé. Bonsoir, il faut que je corrige le chat. Oh putain, oh là, pardon. Oh, j'ai eu un roux un peu violent là. Même mal. Tout ça pour une quiche, mais oui, putain. Quiche de merde. J'étais pas au courant qu'on en faisait une ce soir, et puis évidemment, je suis le premier à bouffer, donc j'ai dû speedrun ça comme jamais. Mais on est là, voilà, 20 minutes en retard, merde, voilà. C'est pas grave, on est là pour la fin du jeu. Enfin, on le finit. Sinon, ça va. Ça va. Un peu dans le rush, là, j'étais bien fatigué toute la journée aujourd'hui, mais là, ça va pour l'instant. Au pire, je me lèverai. L'avantage, c'est que je peux streamer debout maintenant. Ah. Du coup, la dernière fois, Layton et Luke avaient résolu l'énigme de savoir qu'est-ce qui se passait, le narrateur était encore vivant. Si jamais je change de pseudo soon, j'ai remarqué sur Discord, ouais. J'ai vu que t'avais pas le même pseudo. Ah là, t'as changé de nouveau pour pas que ça rende les gens trop confus. C'est bien, tu changes de personnalité. N'hésite pas à ne jamais le dire à Jérémy. Comme ça, il ne s'en doutera jamais. Nebileo, très bien. C'est un rapport avec quelque chose en particulier? Attends, en attendant, je vais faire la petite intro. Bon, on a résolu l'énigme cachée dans le beffroi, et devinez ce qu'on a trouvé? Alors rien, on a trouvé Rose Mortem. Je ne suis pas le professeur Layton, mais si elle se trouvait là pendant l'incident, c'est qu'elle y est pour quelque chose, non? C'est un truc qui fait plus neutre, ok. Du coup, avec Nick... Merde, c'est Maya qui parlait, j'en étais sûr. Du coup, avec Nick, on a inspecté le lieu de l'incident de fond en comble. Oui, on était tombé sur Rose, c'est vrai. Et la cinématique, je crois. Ouverture du chapitre, voilà. Donc Layton a retrouvé le narrateur. Le narrateur n'était pas au courant car il a été accusé. Apparemment, c'est pas elle qui devait être accusée. Ouh là là. La dernière inquisitrice. Il y a clairement un truc pas net avec Aurora. On a retrouvé Rose. L'audience est ouverte. Néanmoins, je dois admettre que je suis pour le moins surpris de la tournure qu'ont pris les événements. Et voir Mademoiselle Mortem à nouveau à la barre des témoins, ah, je ne peux y croire. Je suis sur le cul, littéralement. Il me semblait qu'il y avait une cinématique, mais tant pis. C'est juste avant, peut-être. Vous avez été envoyé au bûcher! Certes, j'étais là, je l'ai vu. Alors, comment se fait-il qu'elle soit là? C'est les pires accents à chaque fois. Est-ce que parce que c'est une sorcière, là? C'est mes gères de périsse dans le point? Oh, c'est dégueulasse, pardon. Non, elle aurait dû utiliser le sort d'Oscuris et a disparu. Elle a dû... Qu'on la jette dans les flammes prestement. Nous le ferons bien nous-mêmes, si besoin. On aime les accents, mais de ouf. Dans le public, ils viennent d'horizons très différents. C'est une sorcière a besoin d'un sceptre pour faire usage de sorcellerie. Désolé de vous décevoir, mais voyez-vous un sceptre en sa possession? À moi. Ah oui, on a appris, enfin, c'était pas encore dit, mais on a vu une photo de Arya, enfant, avec une autre enfant qui ressemble étrangement énormément à Aurora, qui serait peut-être sa sœur, du coup. Mais elle a... Cette ensorceleuse a forcément utilisé le sort de Scuris. Oh, grande inquisitrice Aurora, deviez-le savoir. Le voir,
Le sort de Scuris est une sorcière à devenir invisible, à disparaître entièrement. En outre, elle a l'air défoncée vraiment là, ces deux Sharingan là. En outre, une enquête conduite par Lord des Chevaliers a conclu que cette donzelle est incapable d'utiliser la sorcellerie. Ah, carrément. Écoutez-moi attentivement, mademoiselle Mortem. Parce que là, ça commence à faire beaucoup. Votre existence même compromet la paix à l'Aberrantia, donc on va vous cramer dans le doute. Ta tête ce matin. Tiens, moi aussi, je te jure. Je suis allé voir Dune 2 au ciné. Je suis rentré juste après et j'ai joué un petit peu à Minecraft. J'ai vite fait. C'était pas une bonne idée. J'étais en PLS aujourd'hui. Mais étant donné la situation actuelle, il est impératif pour vous de témoigner sur ce que vous avez vu, et ce, prestement. Objection. Elle veut pas, hein. Ce ne sera point nécessaire. Pardon, mais elle se fout de ma gueule. C'est pas vous qui dirigez, hein. Cette donzelle a déjà été condamnée par cette cour. Que gagnerons-nous à écouter son témoignage à nouveau? Sur le stream de Bébou avec du Hollow Knight. Oh là là. Oh, j'aimerais bien le faire, Hollow Knight, bientôt, en vrai. Je suis en train de me chauffer un peu, là. Hein. Je sais pas quand, mais... Hollow Knight, il va y avoir... bientôt, je pense. Peut-être quand j'aurai fini les lapins crétins. Ah, d'ailleurs, mon planning change pour cette semaine, évidemment. Évidemment, j'ai encore fait de la merde. Et j'ai un truc qui a pas changé, mais... J'ai fait le planning alors que j'étais pas sûr. Et au final, je serai libre jeudi soir, mais pas vendredi. Donc il faut que je mette à jour après. Je me mets dessus, comme ça j'oublierai pas. Mais on l'a retrouvé caché sur les lieux du crime. Pour moi, ça fait d'elle un témoin essentiel dont le témoignage est de premier ordre. Grande inquisitrice Aurora, j'ai bien peur de devoir rejeter votre objection. Je le rappelle au pire, si tu es encore là à la fin, écoute, pourquoi pas. Je suis preneur. Vous souhaitez poursuivre sur cette voie, qu'il en soit ainsi. Nous verrons à quel point elle sera prête à partager son histoire avec cette cour. Oh merde, je crois qu'elle a la même voix qu'Aria. Ça ne fait aucun doute. Rose s'est forcément échappée à l'aide d'un passage sous la chambre de feu. Pourtant, le juge n'a même pas l'air au courant de l'existence d'un tel passage. Si seulement il pouvait s'activer un peu, j'en peux plus. J'ai hâte d'enlever ce casque. Putain, il y a même Maya qui est restée vivante, quoi. Ils vont se dire, mais putain, mais le bûcher, il est caché. Le dessus de mon crâne me démange vraiment beaucoup. Désolé, Maya, enlève ce casque et on finit tous au bûcher. Donc, supporte-le encore un petit peu, s'il te plaît. Si tu parles pas souvent, t'es souvent en lurk. Bah, pas de soucis, bien sûr. Oh là là! Très bien, mademoiselle Mortem. Vous pouvez entamer votre témoignage. Expliquez à cette cour par quel miracle vous vous trouvez parmi nous et pourquoi vous étiez caché sur la scène du crime. Surtout pendant longtemps en plus. Est-ce qu'elle va parler là? On court pas à un témoin là. Je ne saurais vous dire qui est cette rose que vous mentionnez. Je viens du bois enchanté. Je suis venu dans cette cité afin d'invoquer le dragon de feu et de terrasser le narrateur. C'était ça sa voix, je crois. Durant l'inverse, j'ai attendu une opportunité près du beffroi et des miliciens. Je ne faisais que suivre des ordres. En dehors de ça, je ne sais rien de plus. Elle a éveillé ses Sharingan, elle est dangereuse. Vous êtes venu ici pour oxyre le narrateur? Oui, telle était la tâche qui m'a été confiée. Objection. Eh bah rien que ça. Souvenez-vous que cette donzelle n'est point celle qui a conjuré ce dragon de feu. C'est l'accusé qui en est responsable. Je vous l'ai pourtant déjà dit. Ce témoignage est une considérable perte de temps. Objection. Attendez un peu. Elle était quand même présente sur la scène du crime avec l'intention de se débarrasser du narrateur. La défense exige la poursuite de son interrogatoire pour cette même raison. J'ai la bouche un peu brûlée quand même. Hein. Aurora fait de son mieux pour éviter ce contre-interrogatoire. Ça veut dire qu'il y a sûrement quelque chose de louche derrière tout ça. Je dois admettre que j'ai grande hâte d'ouïr le témoignage de mademoiselle Mortem. Monsieur l'apprenti avocat, vous pouvez commencer votre interrogatoire.
Évidemment, on va faire des petites saves au cas où il se passe des dingueries. Hop, c'est pour gagner du temps, hein, vraiment. Fais les deux, comme ça, si j'en foire une, j'ai un checkpoint. Ok. Elle sait pas... Bon, elle a perdu la mémoire ou elle ment. Vous prétendez ne pas connaître de personne appelée Rose. En effet, c'est bien la première fois que j'entends par un pareil nom. Mais par ma barbe, ceci est votre nom, Jouvencel. Quelle sorcellerie avons-nous là? Le mensonge, peut-être? Je n'ai point de nom. Je suis tout simplement originaire du Bois Enchanté. Rien de plus. Le Bois Enchanté? Mais vous êtes drogué. Serait-ce le bois qui abrite les esprits des sorcières purifiées par le bûcher et les schtroumpfs? Il existerait donc. J'ai beau l'observer, cette Rose, à la barre des témoins, a l'air bien réelle. Cette donzelle n'a plus aucun souvenir de sa vie de fleuriste. Ce sera tout. Je me demande si c'est bien le cas. Vérifions si elle se souvient de notre petite rencontre au marché. Ah oui, il y a ça. Dites, mademoiselle Mortem, est-ce que vous vous souvenez de moi? C'est vrai qu'on l'avait croisée. Non, je ne vous connais point. Je vous ai vu pour la première fois au sommet du Beffroi. Afin d'invoquer le dragon de feu et de terrasser le narrateur, ça c'est intéressant par contre. Vous avez bien dit dragon de feu. Oui, ça faisait partie de ma mission. On m'a chargé de venir ici et d'attendre le moment où le narrateur se présenterait à la foule. Et après son arrivée, je devais réciter l'incantation le plus fort possible. Ô formidable bête issue des ténèbres, entends cet appel, Draconis. Bah, elle avoue, là. Je tiens à le répéter à nouveau, cette donzelle n'a pas de sceptre. Elle ne peut donc pas invoquer de dragon, ni aucune autre bête maudite. Ah certes, vous avez raison, Corneille s'est planqué. Alors, qu'est-ce que vous faites cacher sous votre siège, votre honneur? Oui, très bien. Comme je le disais, elle n'a plus jeté de sort à qui que ce soit. Je pense avoir été un peu plus clair. Cette fille n'est point la grande sorcière Arcana. Naturellement, la grande sorcière n'est d'autre que cette donzelle-là, Aria Novella. Ça ne peut être qu'elle. Ok, toujours pas. Durant l'averse. Un instant. Là, il y a une temporalité, mais j'ai un peu oublié les temporalités. Attendez un instant, mademoiselle Mortem. Vous êtes faufilée dans le beffroi juste sous le nez des miliciens? Oui, en effet. J'ai oublié, merde, j'ai cliqué trop vite. Cette fille est une sorcière. Dès lors, devenir invisible n'est qu'un jeu d'enfant. N'est-il pas, mademoiselle Mortem? Oui, c'est exact. Ah! J'en ai enfin souvenance. Il y a tout juste quelques lunes, cette donzelle a utilisé un sort d'invisibilité. L'Oscuris, si je me souviens bien. Ah oui. Eh bien, mademoiselle Mortem, pourquoi restez-vous bouche bée de la sorte? Poursuivez votre témoignage prestement. Qu'est-ce que c'était que ça? Je peux jurer que j'ai vu son visage devenir encore plus pâle que d'habitude. Je m'en souvenance. On dirait les Brésiliens qui parlent français. Bon, il y avait clairement un truc chelou. Elle a prononcé le mot sorcière, puis elle a... Ouais. Un instant. Mademoiselle Mortem, qui est cette personne qui vous donnait des ordres? Je ne puis les révéler. Et pourquoi pas? Je ne puis dévoiler l'identité de la personne qui me donne ses ordres. Garder le silence fait aussi partie du règlement. Oh, comme ça tombe bien. Je suis censé suivre ses ordres, et non en débattre, je ne sais rien de plus. D'ailleurs, c'était la toute dernière tâche que je pouvais accomplir. Sa dernière tâche? Mais il va de soi que vous pouvez faire usage de sorcellerie. Vous êtes une sorcière, après tout. Je ne suis point une sorcière. Ah, t'as des potes brésiliens maintenant, t'essaies de leur apprendre des mots en français, excellent. Ah, franchement, c'est marrant, ça. Hein. Je me dis si un jour... Enfin, si un jour... Dès que j'irai au Japon, j'essaierai de leur faire parler français. Si je croise des gens sympas. Mais qu'avez-vous dit? Je suis incapable de jeter des sorts.
D'ailleurs, QSMP, il y a eu des news, là? J'ai pas trop regardé. Je crois que ça a pas trop changé pour l'instant. Attendez, elle ne peut pas jeter de sort? Cette fille est bien une sorcière. C'est un fait indéniable pour toutes les parties présentes dans cette enceinte. Cela ne fait aucun doute. Il n'y a pas grand chose à en redire. Elle a beau avoir tout expliqué, j'ai quand même du mal à comprendre. Hé, Nick, tu penses quand même pas que ce Hawk Rose est un genre de zombie ensorcelé? Maya, tu as subi le même traitement que Rose. Ça n'a pas fait de toi un zombie ensorcelé, que je sache. Ah ouais, c'est vrai, t'as sûrement raison. Avec Luc, on n'arrivait pas à y croire quand on est tombé sur Rose au marché. On pensait vraiment qu'elle était de l'histoire ancienne après le procès. Je suis peut-être sur une piste. En tout cas, cette Rose a l'air complètement différente de la Rose du procès précédent. Elle a l'air de souffrir d'amnésie. On dirait une toute autre personne. Et si c'était le cas, Maya? Et si la Rose qu'on voit devant nous est la vraie Rose, et que celle de l'autre procès était une imposture? La vraie Rose? Ouais. C'est pour ça que je compte relever un indice utile dans son témoignage. On peut y arriver, Nick. J'espère que t'es prêt à trancher des arguments, parce que ça risque d'attaquer dur par ici. Un an hier, waouh! Oh la dinguerie. Bon, je sais pas trop en vrai. Je crois que c'est là qu'elle avait tilté, hein, durant l'averse. Voilà, c'est là, elle a eu un truc chelou. Cette fille est une sorcière. Ça lui a niqué la mémoire. Ah bon? J'avais pas ça avant. The fuck? Mademoiselle Mortem, j'ai une question toute simple à vous poser. Vous avez déclaré plutôt avoir pénétré dans le beffroi juste sous le nez des miliciens qui montaient la garde. Dites-moi, est-ce que vous avez utilisé le sort Noscuris? Ah, ils vont faire un petit truc d'anniversaire. J'espère qu'ils vont régler les choses d'ici là, quand même. Ça, tout le monde peut revenir. Ça s'est certainement passé comme cela. En quoi quelqu'un ne l'aurait répété? Oh là. Repéré. Mais souvenez-vous du détail qu'elle a laissé échapper tout à l'heure. Elle a nié être une sorcière et a déclaré être incapable de jeter des sorts. Oh! Par conséquent, cela voudrait dire une chose. Qu'il s'agisse de Noscuris ou d'un autre, vous n'avez pas pu jeter le moindre sort, Mademoiselle Mortem. Objection. Quel argument grotesque. Alors comment a-t-elle pu pénétrer dans le beffroi au nez et à la barbe des miliciens? Allez-y, je vous écoute. C'est qui déjà le Late Night Trio? Il y a quoi? Il y a Étoile, Bébou. C'est qui le troisième? Je pense qu'ils en font partie les deux. Pierre? Je sais plus. Objection! Dapper Pomericha, pas du tout, c'était les œufs, ok. Ou encore mieux, pourquoi ne pas demander à Mademoiselle Mortem de nous l'expliquer? Alors, Mademoiselle Mortem? Je ne suis point une sorcière. Et je suis incapable de jeter des sorts. Oh, elle est en mode robot. Et donc? Comment avez-vous pénétré dans ce beffroi sans vous faire repérer? Mademoiselle Mortem, je vous somme de modifier votre témoignage prestement. Oui. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Elle est forcément entrée dans le beffroi d'une autre manière. Mais à part la sorcellerie, je ne vois pas du tout comment. Une tunique d'invisibilité. Ouais, c'est ça, ouais. Un instant. Attendez un instant. Vous avez bien dit une tunique d'invisibilité? Oui, en effet. Une tunique d'invisibilité, mais ça n'existe pas. Vous insinuez que cette tunique rend invisible la personne qui la porte? Oui, c'est exact. Mais comment? Ils y croient, ils mordent tous à l'hameçon, ils sont cons. Mademoiselle Mortem, avez-vous cette tunique en ce moment? Je ne l'ai pas, non. Évidemment. Hein? C'est-à-dire que je l'ai fait tomber quand j'étais au beffroi. C'était quoi ça?
pourquoi est-ce que Rose a jeté un coup d'œil à Aurora en donnant sa réponse. Et en plus, il y a la tunique, effectivement, qui est beaucoup trop grande. Ne voyez-vous pas la farce qui se joue devant nos yeux, votre honneur ? Il est clair que ce témoignage n'est pas crédible. Et j'ose à peine mentionner cette honteuse allégation concernant une tunique d'invisibilité. J'en conviens. Mademoiselle Mortem, je dois admettre que votre histoire est à dormir debout. Objection ! Je ne la trouve pas si incroyable pourtant, votre honneur. Comment ? Si la sorcellerie existe, l'idée d'une tunique qui rend invisible n'est pas si extravagante, vous ne croyez pas ? Ça marche bon app à toutes. Objection ! Vous avez l'air de penser ce que vous dites. Dans ce cas, ne pas nous faire l'honneur de présenter une preuve. Allez-y, prouvez-nous que cette tunique existe. Bon là, le prouver. Qu'en dites-vous de sous ceci, monsieur l'apprenti avocat? Pouvez-vous prouver à cette cour que cette tunique d'invisibilité existe vraiment? Bah on a la tunique, quoi. J'ai envie de vous dire. Oui, votre honneur, la défense pense sincèrement pouvoir présenter une preuve qui corrobore l'existence de cette tunique. En plus, on l'a trouvée pas. On l'a pas vue au moment, on l'a vue après. Ah, cela me surprend point. Un piètre avocat n'engendre que de piètres arguments. J'avoue, parler de tunique invisible sonne bizarre, même dans un monde aussi farfelu. Mais s'il existe la moindre chance que cette preuve soit recevable, alors je dois la présenter au juge. C'est clairement la tunique. Très bien, monsieur l'apprenti avocat, veuillez monter votre preuve à cette cour. Montrez-nous la pièce à conviction qui prouve l'existence de cette tunique. Ah, sérieux, elle est juste là, quoi. Ou alors c'est trop facile, non, mais c'est obligé que c'est ça. Hein. Enfin, y a pas 10 000 trucs, là. Il se trouve qu'une personne a fait tomber et laisser une tunique sur la scène du crime. Une tunique ? Mademoiselle Mortem, cette tunique d'invisibilité que vous avez mentionnée plus tôt... Ne serait-ce pas celle-ci, à tout hasard? Objection. Nous atteignons un niveau de ridicule inespéré. Vous voulez vraiment nous faire croire que c'est cette tunique-là? S'il s'agit réellement d'une tunique d'invisibilité, comment se fait-il que nous puissions la voir, toute tachée, qui plus est? Ah! Comment j'ai fait pour pas y penser? Elle a raison, en tout cas. Oh! Et si la tunique ne disparaissait que lorsque quelqu'un la porte? Salut Wadi, comment ça va? Ça va et toi? Passe-la-moi, Nick, et vois comment Maya disparaît juste sous tes yeux. Elle revient jamais. Ça va, alors on finit le jeu. La dernière aventure en date de Layton. Alors, tu tombes des nues ou pas? Ça ne marche pas du tout. Ouais, je suis bluffé, tu as l'air de porter une camisole. Premier jour de la rentrée, j'ai viré une semaine, mais qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait comme dinguerie? Premier jour de la rentrée? En plein mars? Eh ben bravo. Écoute, des choses qui arrivent, hein, peut-être. Et qu'est-ce qui ne va pas? Ce truc doit être endommagé. Je suis pas du tout invisible, en tout cas. C'est pas la bonne tunique dans ce cas. Non. Ah. Ah non. Ce soir, au beffroi, je portais bien cette tunique-là. Que avez-vous dit? Bah écoute, hein. Reste ici pour te détendre sur le live, ma foi. Et profiter de ta semaine de vacances supplémentaire, hein, on va dire. Quel enfer. Silence! J'exige le silence! Mais comment est-ce possible? Cette tunique n'est point devenue invisible, que je sache. Bon, j'ai un Mars avec un coca. Ah putain, quel enfer. C'est à cause de la poudre dessus. Elle n'est pas si sale d'habitude. Oh, vous parlez de ces taches-là? Ne me dis pas que... Oh ouais? Mais Madame Madeleine a renversé un sac de farine entier sur ses miliciens. Vous ne vous souvenez pas? Sans parler de la pluie qui tombait de rue à ce moment-là, la farine a dû faire des grumeaux et souiller la tunique.
Mais manger tranquille. Je sais pas, ça dépend les écoles, hein. Moi j'avoue que... À mon époque... on pouvait pas faire ça, mais c'était quand j'avais genre 12 ans, après... Une fois que j'avais passé l'école obligatoire, ils s'en foutaient en vrai. Hein. Ouais, bizarre. Un peu trop rigos là. Tout ça pour un Mars quoi. Mais bonsoir Fagno. J'ai une idée. Et si on la nettoyait cette tunique? Ah! On va la mettre la machine à 40. On revient dans 40 minutes. Il y a une petite fontaine sur la place du Beffroi. Allez-y, lavez cette tunique. Afin que nous obtenions des réponses. Rendez-vous-y prestement. Projet MMA. C'est quoi ton projet MMA, là? Se battre avec le reste de la classe. Ça marche, Fagno. Très bien. Ce devrait être... J'arrive plus à parler. Ce devrait être assez simple. Prends-en de la graine, Nick. Je vais te montrer ce que c'est qu'un vrai lessivage. Tu vois, tout ce que tu as à faire, c'est de mettre la tunique dans l'eau, comme ceci. Et elle disparaît. Attends, quoi? Alors, tu vois quelque chose, Maya? Bah, c'est justement ça. J'y vois plus rien. La tunique a complètement disparu. Quoi? Elle disparaît dans l'eau, c'est parce qu'il pleuvait. On n'arrivait pas à y croire, ça paraissait impossible. Il n'y avait que de l'eau. Pourtant, la tunique avait bel et bien disparu, juste là, dans cette fontaine. Ah mais tu fais du vrai MMA? Ah ouais, incroyable. Elle est entraînée toute la semaine. Un combat mardi et dimanche, waouh. Ah ça déconne zéro. Ah c'est cool. C'est du gros fight ça. Monsieur l'apprenti avocat. Moi j'avais fait du kickboxing à l'époque, bon. C'était vite fait. Hein. J'étais encore assez jeune. Depuis que t'as 5 ans, tu faisais déjà de la lutte. Oh la vache. Vous avez vu le chat, faut pas emmerder Wadi, hein. Sinon on se fait démolir. Pas faire chier, hein. Que veut dire tout ceci? Comment avez-vous pu perdre une preuve aussi importante? Parce qu'il est devenu invisible. Votre honneur, ce n'était pas de notre faute. Croyez-moi, je suis le premier à me demander ce qui s'est passé. J'arrive pas à y croire, la tunique s'est littéralement volatilisée. Je ne comprends guère de quoi vous parlez. J'arrive encore à voir cette tunique. Hein? Voyez, elle est juste là. C'est un entraîneur. Ah ouais, putain, incroyable. Pour le MMA ou pour la lutte? Non, mademoiselle Mortem, je vois rien du tout. Mais ça, c'est parce qu'il n'y a rien à voir. Alors, comment est-ce que ça marche, au final? Apparemment, il faut porter la tunique pour disparaître complètement. Mais pour l'instant, à part mademoiselle Mortem, personne d'autre ne la voit. Il n'y a pas que moi. Il y a aussi tous les habitants du bois enchanté. Nous pouvons tous voir cette tunique. Le bois enchanté? Notre village se trouve au fin fond de la forêt, dans un monde très différent de celui-ci. C'est là que je vis. Tant que nous obéirons aux règles de la forêt, nous pourrions y demeurer. J'en étais sûr. Rose est vraiment différente du reste des habitants de la cité. Ah, pour le moment... Étant donné que seule mademoiselle Mortem peut voir la tunique, nous allons la recouvrir de farine à nouveau. Ce sera bien plus pratique. Tout ça pour rien. On gagne du temps pour que Clayton arrive. Il reste une petite chose qui me dérange. Mademoiselle Mortem, votre tunique a été retrouvée au deuxième étage du Beffroi. Le même étage où vous êtes tombé sur l'accusé. 6 ans de lutte, waouh. T'as commencé le MMA après, ah ouais d'accord. Ah c'est classe. Les sports de combat c'est un délire quand même. Hein. Par contre vous étiez caché au sommet du Beffroi. Il y a quelques instants vous avez déclaré avoir fait tomber votre tunique. J'aurais déjà tout swipe. Bah c'est parce que je suis en live et que je me fais chier à faire les voix. Mais c'est vrai que... En plus c'est vrai que moi dans les jeux d'habitude je swipe assez vite. Parce que ça m'emmerde les dialogues. Mais j'avoue que dans les Layton et tout, c'est... Je sais pas, ça me dérange pas. Bizarrement.
sport de combat, c'est incroyable. Ouais, j'avais quand même beaucoup aimé quand je faisais du kickboxing, full contact. C'était sympa, surtout je me souviens que le maître était marrant et voilà, je fais la petite anecdote rapide de avant qu'on commence à chaque fois les entraînements, il séparait le tatami en deux avant que l'heure arrive et il y avait le côté détente et le côté baston. Et dans le côté baston, on se mettait tous sur la gueule et des fois le prof venait et il nous foutait une rousti branlée. Bon, on était deux enfants, donc c'était un peu à l'échelle enfant, tu vois, genre il te lançait à l'autre bout de la pièce, mais pas violemment, quoi. C'était marrant. Le gars était vraiment drôle. 6 combats, 5 victoires, 1 défaite, putain, GG. Ah, t'en as fait... Mais ça, tu commences, du coup, à faire des compètes, là. C'est pas mal, hein, 5 victoires pour 1 défaite. C'est un bon ratio. Pour commencer, je suppose. C'est vrai que je me suis jamais intéressé après... Enfin, faut dire, j'ai fait énormément de sports différents dans ma vie. Mais il n'y en a pas un seul que j'ai déjà regardé à la télé ou je me suis intéressé à regarder les compétitions. Du coup, je connais pas la scène compète de tout ça, mais... C'est un bon ratio. Faut espérer que ça dure maintenant. Ça me fait me demander, qu'est-ce que vous faisiez au sommet? Un mec qui avait 3 ans de plus, il connaissait déjà tout. Ah ouais, bah tu m'étonnes. Ça doit forcément arriver, hein. On peut pas toujours gagner. Même les défaites sont plus importantes que les victoires, au début en tout cas. Bah j'espère aussi, hein. 2 matchs en plus en une semaine, tain, c'est lourd. T'as faire gaffe au match de mardi. Il semble que il nous reste moult informations à tenir de ce témoin. Qu'en dites-vous, grande inquisitrice Aurora? C'est le devoir de l'inquisition que de respecter vos décisions. Carrément, des fois, tu t'entraînes avec lui. Ah oui. Ah, ça, c'est cool, ça. S'il y a une bonne ambiance, en plus, de l'honneur et du respect, on va dire. C'est la base. Il va te montrer des techniques. Ah, c'est stylé. Ça fait très Karate Kid dans ma tête, le truc. J'ai même pas vu le film, en plus. Mais genre, l'entraînement intensif pour devenir une machine, là. Faut que je regarde Baki, aussi. Baki, ça a l'air cool. Vos désirs sont des ordres. Très bien, mademoiselle Mortem, cette cour vous ordonne de poursuivre votre témoignage. Bon, mon daron, il était rugbyman. J'ai fait un tout petit peu de rugby, mais c'était quand j'étais vraiment tout gamin. J'ai pas persisté, malheureusement. Mais j'étais moins sport d'équipe après, j'étais plus sport individuel. Dites-nous ce qui s'est passé entre le moment où vous êtes infiltré dans le beffroi et l'odieux crime de ce soir. Oui, très bien. Allez, c'est reparti. J'attendais au deuxième étage du beffroi quand soudainement je me suis retourné, mais il était trop tard. On m'a attaqué par derrière, je n'ai rien pu faire pour me défendre, car l'agresseur me tenait le bras et m'a couvert la bouche. Il y a quelqu'un de plus? Tandis que je me débattais pour me libérer, je crois que j'ai réussi à arracher quelque chose sur mon assaillant. C'est là que je me suis évanoui. En reprenant mes esprits, je me suis retrouvé près de la cloche au sommet de la tour. Mademoiselle Mortem, ai-je bien entendu? Mais elle change son truc toutes les 2 minutes, là. Quelqu'un vous a agressé tandis que vous étiez au sommet du beffroi. Oui, c'est ce qu'il s'est passé. Mais qui était cet agresseur? Je n'en ai pas la moindre idée. Comme on m'a attaqué par derrière, je n'ai pas pu voir qui c'était. Il semble que vous soyez restée inconsciente un long moment après cette agression. C'est pour cela que je n'ai pas pu achever ma mission. Mais même si j'avais été consciente, je n'aurais rien pu faire en étant enfermé au sommet du beffroi. Je me demande si c'est cet engin qui a été utilisé pour transporter Rose en haut du beffroi. Ça a l'air d'être le seul moyen auquel elle avait accès. Vous avez entendu le témoin. Elle était enfermée au sommet du beffroi. Autrement dit, elle n'a rien à voir avec les événements de ce soir. Par conséquent, moi en ai besoin de cet interrogatoire stérile. Pas si vite. Ce témoin a aussi déclaré avoir été agressé ce soir. Monsieur l'apprenti avocat, insinuez-vous que cet agresseur aurait pu être Arcana? Je ne peux pas le dire pour sûr, votre honneur. Quoi qu'il en soit, la défense demande l'autorisation de pouvoir poursuivre ce contre-interrogatoire.
Requête accordée. Très bien. Monsieur l'apprenti avocat, vous pouvez poursuivre votre interrogatoire. Et voilà le début des hostilités. Voyons voir si je peux attirer cette deuxième sorcière hors de son trou. J'ai un peu l'impression de faire un livre audio, quand même. Tourna, tu le fais à la... À MMAF ? À la MMAF ? C'est quoi, ça ? Qu'est-ce donc ? Assurance particulier et professionnelle. La MAF. Je pense... Non, mais ça, c'est MAAF. Il est con, lui. Ouais, je trouve pas comme ça, c'est trop... Je suis trop loin. Le rugby, t'adore. Ouais, c'est cool. Après, moi, c'est vraiment genre les sports de manière générale. Je m'y intéresse très peu en dehors d'y jouer, quoi. Et j'avais fait du rugby en étant du coup tout gamin, donc j'ai pas beaucoup de souvenirs. Pas des mauvais souvenirs, en tout cas. Mais après, j'ai continué. J'ai fait énormément de sports. J'ai fait rugby, j'ai fait du basket... Mais au basket, je me souviens que l'entraîneur, genre une fois sur deux, il venait pas. Il s'en battait les couilles, donc on avait arrêté. J'ai fait du foot pendant un an, j'ai détesté ça. C'est ce qui m'a dégoûté des sports d'équipe. Après, j'ai fait le full contact, du coup, enfin le kickboxing. Après, j'ai fait du tennis pendant assez longtemps et de la natation. Je crois que j'ai rien oublié. C'est comme du UFC. Pour les jeunes, car à un moment, tu peux pas faire du UFC. Parce que tu te fais recruter. Ah ouais. Celle qui devrait être du coup désignée par le narrateur comme étant la grande sorcière. Pas mal de sport. Ouais, j'en ai fait pas mal. Hein. Après, c'était assez écarté. Hein. C'était pas tout en même temps non plus, mais... Mais voilà, j'ai gardé les deux derniers en date. C'était le tennis que j'ai arrêté il y a un petit moment, là. Ah ouais, quand même. Attends, c'était quoi? C'était 2016. Waouh. Et j'ai gardé la natation. C'était quoi mon préféré? Hein. Certainement pas le foot. Les autres en arrière, je m'en souviens pas assez avant le foot. Bah, le basket, l'entraîneur était pas là, c'était chiant. Mais je pense que c'est la natation... Je dirais la natation, parce que déjà c'est celui que j'ai gardé. Après le tennis, j'aimais beaucoup ça en vrai. C'est juste que je devenais le plus vieux du club gentiment, je commençais à avoir 18 ans. Et bah j'étais le plus vieux, tous ceux avec qui je jouais étaient plus là. Et si je voulais continuer, c'était des cours privés, ça me saoulait en fait. Mais j'adorais le tennis en vrai. Mais la natation, c'est surtout parce que je me suis fait un méga groupe de potes. Mon message pour après l'ignorer, mais je l'ai pas ignoré. Je lis tout. J'étais en train de réfléchir à mes sports. Handball, rugby et tir à l'arc. Ok. Ah oui, j'ai fait bon, tir à l'arc. J'en ai fait pas en club. C'était un pote qui m'a invité. Mais il a pas dit que c'est elle qui était désignée pour être la grande sorcière, le narrateur. Il a juste dit que ça devait pas être Aria. Donc techniquement, on le sait pas ça. T'étais inscrit un an, tu faisais rien, juste nager dans ton coin. Bah moi en fait j'ai rejoint mon frère avec son groupe de potes et je me suis fait un groupe de potes à l'intérieur où on était tous ensemble tout le temps et c'est ça qui m'a motivé et ça c'est une des meilleures décisions de ma vie alors que quand j'étais gamin je ne savais pas nager, j'avais peur de l'eau. Jamais compris le concept, bah en vrai c'est... Moi c'était surtout pour le groupe et puis c'est un sport qui est facile à faire, genre il faut juste une piscine municipale, une connerie. Et ça fait un peu tout. Ça fait un peu tout le corps, ça travaille tout, donc c'est pas mal. T'es là, tu nages. Ouais, ouais, c'est con, hein, mais c'est un peu comme la course au final. Tu farmes ton truc et puis ça fait du bien. Ça fait juste du bien. Allez, on attaque. Donc vous n'avez pas pu voir votre agresseur, est-ce bien cela, mademoiselle Mortem? Oui, tout à fait. Même pas un petit peu. On m'a attaqué par derrière, après tout. J'ai bien entendu. On dirait qu'elle a hésité en répondant. Au fait, pourquoi vous êtes-vous retourné, mademoiselle Mortem? Pardon, que voulez-vous dire? Eh bien, c'est juste que... Vous avez déclaré avoir tenté de vous retourner soudainement. Quelque chose a donc dû attirer votre attention, n'est-ce pas? Je ne me souviens pas.
Je crois que j'ai entendu un bruit derrière moi. Donc vous avez entendu quelque chose qui vous a fait vous retourner? Oui. Mais je ne saurais vous dire quoi, de quoi il s'agissait. Ça marche, Benap. Juste rentrer dans l'eau chaude et rester dedans. Ouais, après, en général, l'eau, elle est pas si chaude, quoi. Faut nager pour que ça soit plus chaud. Un instant! Vous pouvez nous dire s'il s'agissait d'un homme ou d'une femme, à moins que vous ayez aussi oublié ce détail. Mes souvenirs sont très confus. Cette personne m'a facilement maîtrisé. Je me rappelle qu'elle a saisi mon poignet gauche. J'ai essayé de crier, mais elle a rapidement couvert ma bouche de sa main. C'est ironique à quel point le narrateur, il savait rien de ses procès. Ah ouais, ouais, on a vu, il était full perdu. Hein. C'est quand qu'il arrive, Layton, je sais pas. J'espère bientôt, là, il faut que ça finisse, là. Allez, on y va. J'ai tenté de me débattre farouchement, mais en vain. Là, on se rapproche, là. C'est comme si cet assaillant avait tenté de limiter ses mouvements. Berry, je crois que j'ai réussi à arracher quelque chose, voilà. C'est quoi? Donne-nous, là. Qu'est-ce que vous avez arraché exactement? J'étais encore hébété à ce moment-là, donc j'ai du mal à m'en souvenir. Mais en levant le bras, ma main a attrapé un petit objet arrondi. J'ai dû l'arracher sans faire exprès. Peu importe ce que c'était, ça s'est cassé net. Je sais ce que c'est. Bien, d'après vous, ce pourrait être un objet que l'agresseur portait sur lui. Je le crois, oui. J'ai encore souvenance de la sensation. Ça faisait comme si je cassais un bout de corde ou un objet de ce genre. Oh, allez, c'est bon. C'est bon. Je me demande vraiment ce que ça pouvait être. Je suis sûr que je m'en souviendrais si je le voyais à nouveau. Elle s'en souviendrait si elle le voyait. Si seulement on avait de quoi lui rafraîchir la mémoire, on aurait juste à lui présenter la bonne preuve. Ah, mais genre, c'est bon, assistez. Tenez-moi encore plus la main, hein. La bonne preuve pour faire avancer les choses? C'est clair. Tu sais, c'est vraiment pas une mauvaise idée, Maya. Bon. Allez, c'est bon, hein. C'est bon. On va pas tout faire non plus. C'est assez obvious, là. J'ai quand même envie de sauvegarder si jamais on rate des trucs. Hop. C'est ça, c'est clairement ça. Objection! Le quatrième mur, ouais. Défoncer le quatrième mur. Et Bob, faut montrer le collier. Mais oui, je monte pour le collier. Mademoiselle Mortem, vous avez déclaré avoir senti quelque chose, vous être arraché. Merde, quelque chose d'être arraché sur la personne de votre assaillant. Waouh, c'était compliqué cette phrase. Vous pensez que ça peut-être? Ça peut-être ça? Oh! C'est exactement cela. Je reconnais la forme, oui. C'est l'objet que j'ai empoigné. Que dites-vous? Mais c'est... C'est le talisman, n'est-il pas? Pas exactement, votre honneur. Il se trouve qu'il existe deux talismans. Celui que vous pouvez voir ici est le double de celui de Mademoiselle Novella. Maintenant que vous le dites, je m'en souviens. La chaînette était assez robuste, elle ne s'est point cassée facilement. Donc j'ai tiré encore et encore, et je crois même que j'ai réussi à griffer le cou de cette personne. Par la même occasion. Attendez un instant, vous dites que vous avez griffé le cou de votre agresseur, il va y avoir une objection là. Je crois que oui, mais je ne puis en être sûr. Nick, dans ce cas, ça veut dire que les taches noirâtres sur ce talisman sont peut-être... Et ouais, c'est peut-être le sang de l'agresseur. Comme cette cour peut le voir, il y a des traces de sang sur la chaînette. Par contre, si vous observez Mademoiselle Novella, vous constatez qu'elle n'a pas la moindre égratignure au niveau du cou. Par conséquent, Mademoiselle Novella ne peut pas être l'assaillante de Mademoiselle Mortem. Objection. Ouais, c'est ça, object. Bien tenté, Monsieur Wright, mais je me dois d'atténuer votre fougue. Hein? Avez-vous déjà oublié ce que je vous ai dit? La grande sorcière ne peut utiliser n'importe quel sort, n'importe quand. Elle aurait aisément pu guérir une telle plaie. Ah, j'ai du mal à croire ce que je vais dire, mais l'inquisiteur Garnett me manque. Ah, Garnett. Oh, Garnett. Fichtre, elle ne l'a jamais les... Elle me laisse à peine le temps de reprendre notre souffle, hein, Nick? Il ne lâche jamais les Roustong. Reprenons cet interrogatoire. Mademoiselle Mortem, veuillez poursuivre votre témoignage. On veut savoir. Ok, c'était pas fini. Donc ça, c'est bon, on a. Évanouir en prenant les esprits et trouver près de la cloche au sommet de la tour. Clairement, ils ont utilisé le mécanisme. Vous affirmez, vous êtes évanoui.
Oui, d'ailleurs, ça ressemblait beaucoup à de la sorcellerie. C'est la première fois que je fais face à un tel sort. Comme je le pensais, cette affaire en plus de la sorcellerie. Dois-je vous rappeler que la grande sorcière Arcana... Je fais un lapsus révélateur, là. Faire usage de sorcellerie aussi facilement qu'elle respire? J'en conviens. Il se trouve qu'un tel sort existe. C'était par ma barbe. Quel était le nom de ce sort? M'inquiète, ne vous inquiétez pas, votre honneur. Mon fidèle grimoire et moi, on se chargera de retrouver ce nom. C'est Arcana et pas Aurora. C'est tellement la même personne. Je me demande si l'agresseur de Rose était une sorcière. Je doute qu'on ait utilisé de la sorcellerie pour la mettre hors jeu. Bref, on dirait que Mademoiselle Mortem dit la vérité. Et pourtant, elle a du mal à me regarder dans les yeux. Elle hésite beaucoup avant de répondre. Ça ne fait aucun doute, elle essaye de dissimuler un secret de taille. Dans ce cas, Nick, on met les bouchées doubles et on va au fond de cette affaire. Ouais, on a beaucoup à perdre sur ce coup-là, Maya. Donc elle n'a pas encore retrouvé dans le grimoire. Un instant. On va essayer d'attaquer un peu. Ça, je crois qu'on a, on avait déjà... Témoignage n'a pas de sens. Ouais, il y a une incohérence par rapport à ce qu'on a entendu jusqu'ici. J'étais sûr, fallait rattaquer. C'est peut-être une bonne idée de jeter un coup d'œil au dossier de l'affaire, Nick. Bah là, faut parler du collier. Me tenait le bras et m'a couvert la bouche. Quel bras? En logique, c'est le collier qu'il faudrait présenter, là. Faire ce procès, tu finis au bûcher, carrière. Tout le monde finit au bûcher, là, c'est le gros barbuck. Hein. Je tiens à plus faire me défendre, l'agresseur me tenait le bras couvert la bouche. Ben, c'est ça, hein, des taches de sang. Oh, le titre. Allez. Objection ! C'est ça, clairement. Mademoiselle Mortem, il y a quelque chose d'étrange dans votre témoignage, non ? Vous avez déclaré avoir été attaqué par derrière et que l'agresseur vous a attrapé le poignet, c'est bien ça? Oui, c'est cela. Si c'était le cas, je ne dirais qu'une chose. Peu importe la force avec laquelle vous vous êtes débattu, jamais vous n'auriez pu arracher ce talisman. Hein? Ce talisman est bien trop petit. Comment avez-vous pu le saisir derrière vous et l'arracher? C'est un argument qui se tient. Mademoiselle Mortem... Il n'y avait qu'une seule manière d'arracher ce talisman du cou de votre agresseur. En lui faisant face. Cette personne devait être juste en face de vous. Non! Silence! Fermez-la, putain! J'exige le silence! Mademoiselle Mortem, est-ce la vérité? Je... Objection. Ouais, object, toi. On sait tous très bien que c'est toi. Ce témoin a été victime d'une agression physique. Il va de soi qu'elle puisse être quelque peu... confuse. Objection! Ferme-la. Grande inquisitrice Aurora, déclarer que son agresseur était derrière elle, ne peut pas être mis sur le compte de la confusion. J'appellerais plutôt ça un mensonge éhonté. Monsieur Wright, je vois que vous prenez des positions aussi inconsidérées qu'à l'accoutumée. Putain, je veux l'avoir transpirée là, je veux qu'elle se chie dessus. Votre argument n'aurait de validité que si le témoin avait vu son agresseur. Hein? Si elle n'a point vu cette personne, l'endroit où tous deux se tenaient n'a plus aucune importance. Alors, cela voudrait dire que l'agresseur portait du signe de cette tunique. C'est malheureusement impossible, votre honneur. Comme le témoin l'a dit un peu plus tôt, seuls les habitants du bois enchanté peuvent voir cette tunique. Autrement dit, l'agresseur était forcément une sorcière et s'est volatilisé à l'aide d'un sortilège. Vous parlez sans doute de la grande sorcière Arcana. Ce n'est pas le seul indice qui prouve que l'agresseur était une sorcière. Ah oui, et vous voulez parler de... Le témoin a déclaré avoir perdu connaissance. Si vous ouvrez le grimoire, vous remarquerez un sort appelé Somnis. Mademoiselle Mortem, je me demandais... Peut-être avez-vous entendu l'incantation qui avait ce sort? Oh la... Maintenant que vous le dites...
Je me souviens, j'ai entendu l'incantation de ce sortilège. C'est ça, putain, c'est... Bullshit sur bullshit. Quoi ? Sur bullshit. Ah tiens, le voici. Somnis. Plonge dans un sommeil immédiat tous ceux qui entendent cette incantation. J'ai retrouvé sa page wiki. N'oublions point que la grande sorcière ne peut jeter n'importe quel sort. Ok. Mademoiselle Mortem, veuillez modifier votre témoignage afin d'y ajouter cette nouvelle information. Prestamment, votre honneur. Sang, j'arrive pas à croire qu'il ait réussi à sortir de ce mauvais pas. Peu importe, c'est pas maintenant que je vais abandonner. Je dois continuer jusqu'à ce qu'on trouve l'identité de cet agresseur. Bien, veuillez pencher votre interrogatoire. Somnis. Un instant. Allez, on attaque. Vous avez entendu l'incantation, vous êtes sûr de ça? Oui, c'était très clair. L'agresseur a disparu, grimpé les marches, endormi le témoin, et ce grâce à de la sorcellerie. À part la grande sorcière Arcana, je ne vois pas qui aurait pu accomplir un si magnifique exploit. Ce n'est pas un hasard si cet agresseur a pu jeter moult sorts. C'est une sorcière ordinaire. Après, l'agresseur a transporté Mademoiselle Mortem ailleurs. La logique voudrait que cette personne ait utilisé ses deux mains. Deux mains, dites-vous, grande inquisitrice. Autrement dit, cette sorcière ne pouvait point tenir de cèpe. Oh ! Bien sûr. Et comme par hasard, la seule sorcière qui n'a pas besoin de cèpe est Arcana. Je vois que votre tête de linotte a enfin réussi à assimiler cette notion, Monsieur Wright. Eh bien, continuez, Mademoiselle Mortem. Oui. Aïe, aïe, aïe. Qu'est-ce qu'il nous dit le sort Somnis, là ? Plonge dans un sommeil immédiat tous ceux qui entendent cette incantation. Bah là, déjà, il y a une contradiction. Parce qu'en théorie, je ne sais plus où on est dans la temporalité, mais Ariel devait être là aussi. Ouais, au cas où, hein. Mademoiselle Mortem, tout au long de ce procès, je vous ai observé à la barre des témoins. Je constate que vous essayez désespérément de cacher quelque chose à cette cour. Je me demande si vous connaissez ce proverbe. Un mensonge en entraîne nécessairement un autre. Autrement dit, à cause des mensonges, votre témoignage ressemble à un morceau de gruyère tellement il y a de trous. Venez-en au but, Monsieur Wright. D'après le grimoire, le sort Somnis plonge effectivement la victime dans un sommeil immédiat. C'est écrit ici, noir sur blanc. En effet, à la seconde où l'incantation est prononcée. Ah ! Mademoiselle Mortem, vous avez déclaré ceci. Vous avez remarqué votre agresseur au moment même où vous avez entendu l'incantation. Puis vous vous êtes débattu, c'est exactement ce que je disais. Mais si vous aviez vraiment entendu cette incantation, alors une chose est sûre. Vous n'auriez jamais pu arracher ce talisman du cou de votre agresseur. Ah ! Et bim ! Rah ! Retournez la situation. Silence ! Silence ! Mais que signifie tout cela ? Ça veut tout simplement dire que Mademoiselle Mortem n'a pas entendu le moindre incantation. La moindre. Mais alors pourquoi ? Comment se fait-il que vous l'ayez retrouvée inconsciente ? Rose a vraiment été mise KO par son agresseur. Et quand elle a repris ses esprits, elle s'est retrouvée au sommet du beffroi. Mademoiselle Mortem a probablement perdu connaissance à cause... d'autre chose. Moi, je pense que c'est ça. Hein. Je suis sur une bonne lancée, mais... on est jamais trop sûr de rien. La réponse est on ne peut plus évidente. Ce n'est pas de la sorcellerie, mais autre chose qui a fait s'évanouir le témoin. Objection. Qu'est-ce qui vous rend si sûr de cela ? Un autre sort n'a-t-il pas pu être jeté ? Objection. Impossible. Vous devriez le savoir mieux que donc. Ouf. Oh là là. Quoi ? Mademoiselle Mortem mentait quand elle a affirmé avoir entendu une incantation. Malgré tout, le résultat aurait été le même si elle en avait vraiment entendu une.
vu qu'elle s'est évanouie. En effet. Mais si on se base sur son témoignage, on s'aperçoit vite qu'elle a menti. Le seul sort qui puisse faire s'évanouir une personne est le sort Somnis. Vous êtes d'accord avec moi, grande inquisitrice Aurora? Alors ça transpire là, hein? Monsieur l'apprenti avocat, prétendez-vous qu'il existe une manière pour s'évanouir une personne sans sorcellerie? Eh oui, tu mets un grand coup dans la tête là. Une seule chose me vient à l'esprit. Je parle bien sûr d'un somnifère. Ouais, il y a ça sinon aussi. Somnifère? Rappelez-vous, Mademoiselle Mortem a déclaré que son agresseur lui avait recouvert la bouche avant qu'elle ne puisse crier. En faisant cela, l'agresseur lui a administré une dose de somnifère qui lui a fait perdre connaissance. C'est quoi un somnifère? En effet, cela se tient. On connaît à peine la pénicilline alors. Par conséquent, votre honneur, il y a de grandes chances que l'agresseur ne soit pas Arcana. C'est vrai, pourquoi un être si puissant, capable de jeter n'importe quel sort, aurait besoin de droguer quelqu'un? Objection. Oh, paf. Ah, il envoie plein de piques là, ça j'adore. Un instant, Monsieur Wright. Cette personne se serait donc faufilée dans le beffroi sans alerter les miliciens. Il est évident que de la sorcellerie a été utilisée. Objection. C'est un milicien. Pas besoin de sorcellerie pour se faire disparaître, grande inquisitrice. Il y a des tuniques. Mettez cette tunique et il sera très facile pour vous de pénétrer dans le beffroi sans vous faire repérer. La tunique n'a visibilité. Mais même avec ça, nous avons toujours un problème de taille. Mademoiselle Mortem. Oui? Un peu plus tôt, vous avez reconnu avoir été agressé de face, n'est-ce pas? Si c'est le cas, il n'y a qu'une conclusion possible. Vous pouviez voir le visage de l'agresseur. Mais pourquoi dites-vous ça? Je n'ai point... C'est très simple. D'ailleurs, vous l'avez dit vous-même. Seuls les résidents du Bois Enchanté sont capables de voir cette tunique. Oh là là, il la déglingue. Et pour cela, Mademoiselle Mortem, vous êtes la seule qui détient la clé de cette énigme. Ben, il est puissant, Phoenix. Hein. Vous êtes la seule qui puissiez nous révéler l'identité de la personne qui vous a attaqué dans le beffroi. Oh, il a calmé tout le monde. Ça c'est bon ça. Je ne puis vous le dire. Peu importe les conséquences. Je ne puis rien dire, même si cela me perd. Oh là là, ça c'est beau ça. On gratte et on y arrive. Voyez comme ce témoin a caché l'identité de son agresseur depuis le début du procès. Quoi? Mais heureusement pour nous, son témoignage ne nous est plus d'aucune utilité. Vous pouvez la brûler. La vérité est là, juste en face de nous. Je parle bien sûr de l'identité de l'agresseur de Mademoiselle Mortem. Tous les indices incriminent une personne. Monsieur Wright, je suppose que vous êtes en mesure de prouver une telle accusation. Tout à fait. Bien, on dirait que tout repose là-dessus. On va enfin savoir qui tire les ficelles depuis le début. Putain, j'ai deux... Très bien, monsieur l'apprenti avocat. Ayez l'obligeance de dire à cette cour qui a agressé le témoin et l'enfermer au sommet du beffroi. Mais en vrai... En vrai... Ça paraît évident que c'est elle. Parce qu'on a vu les trucs avec Layton. Mais eux, ils ont pas vu les trucs avec Layton. Ils savent pas que c'est elle qui est censée avoir le deuxième talisman. C'est ça le problème. Ils savent qu'elle est dans des bails chelous, mais ils savent pas forcément que c'est elle. Par contre, il y avait quelqu'un d'autre. Au beffroi. Il y avait quelqu'un d'autre. Et on sait tous très bien que les chats, c'est des vrais petits vicelards. Allez. Allez, on pose les couilles sur la table. Prends ça. C'est pas ça du tout. Bon, ok. Bon, voilà. Fallait essayer. Ça fait un moment que ça me trottait dans la tête qu'il y avait le chat. Bon, ok. J'avais envie d'essayer. Oh, mais c'est bon. Faut bien essayer à un moment. Moi, j'avais envie que ça nous surprenne. La réponse est on ne peut plus évidente. C'était vous, grande inquisitrice Aurora. J'arrive plus à parler. Quoi?
Silence, silence. J'exige un silence immédiat. Inconcevable, c'est... Je dois avouer que quelque chose, monsieur Wright. J'admire votre courage, mais pas votre témérité. Accuser une grande inquisitrice est pure démence. Cependant, oyez ceci. De si sérieuses accusations engendrent des conséquences d'autant plus sérieuses. Au moindre faux pas, je veillerai personnellement à ce que vous soyez banni de cette cour à jamais. Souvenez-vous-en. Oh non. Zut alors. J'ai très bien compris. Je vois que vous êtes en confiance. Voyons si cette soi-disant assurance est justifiée. L'agresseur de Mademoiselle Mortem l'a drogué avec des somnifères. Il ne lui a pas fallu longtemps pour l'endormir. Cette potion devait être très concentrée. Certes, après tout, les effets sont similaires à ceux de la sorcellerie. Et il n'y a qu'une personne à la Biratia en mesure de fournir ce genre de produit, l'alchimiste Belduc. Il s'agit de Monsieur Enig Belduc. Objection. Monsieur Wright, vous n'êtes pas sans savoir que Monsieur Belduc nous a quittés il y a 3 mois. Croyez-moi, j'en suis tout à fait conscient. Quand il était encore parmi nous, Monsieur Belduc a fourni une grande variété de médicaments aux habitants de la cité. Mais il ne s'est pas arrêté aux médicaments. Il a aussi créé des mélanges très dangereux. C'est pour cette raison qu'après son trépas, tous ses produits et potions ont été confisqués. Confisqués ? L'inquisiteur Garnett en a fait écho lors du procès précédent. La victime était un alchimiste. Nous pensions trouver un quelconque indice en confisquant tout son matériel. Et nous voulions éviter tout ceci ne tombe de mauvaises mains. Mais cela diffère de nos pratiques habituelles. Les biens confisqués sont entreposés dans notre chambre forte. Seule la grande inquisitrice Aurora est en possession de la clé. En vrai, si j'avais pas mis Aurora dès le début aussi, c'est parce que j'avais peur qu'il ait pas assez de contenu. Je pense pas qu'il allait se souvenir à ce point-là. Parce que c'est Layton qui a tout pour incriminer Aurora, finalement. Je me suis dit, si ça se trouve, si on dit Aurora, c'est le truc évident à dire et que c'était le piège. Parce qu'il avait justement pas assez de trucs à dire dessus. Mais visiblement, il a une très bonne mémoire. Oh ! Objection ! Donc d'après vous, le simple fait d'avoir accès à ces produits veut dire que c'est forcément moi qui les ai pris. Puis en même temps, elle a des putains d'oreilles de chat sur la tête, donc forcément à un moment on les relie à ce chat de ses morts. C'est bien ce que vous insinuez, monsieur Wright. On ne peut rien vous cacher. Malheureusement, pour vous, cette preuve n'en est point une. Et vous l'avez dit vous-même. Monsieur Belduc a concocté maints remèdes dangereux dans son combat pour soigner les habitants de la cité. Il était un des piliers de cette ville grâce à ses concoctions, chose qui ne lui plaisait guère. Et donc, il y a de grandes chances que ces mêmes substances soient éparpillées à travers la cité. Ah. Par conséquent, monsieur Wright, il est fort possible que le coupable ait pu mettre la main sur les 10 produits. J'en conviens. Nombreux sont les services rendus par monsieur Belduc et ses médicaments dans sa longue lutte pour soigner nos concitoyens. Nous avons de nombreuses raisons de croire que certaines concoctions dangereuses demeurent à la Labyrinthia. Si je peux me permettre un conseil, la prochaine fois que vous vous adressez à cette cour, vous ferez mieux de trouver de vraies preuves plutôt que de déverser de si pitoyables accusations. Manquez à votre devoir, et vos prochains mots seront ceux que vous susurrez aux flammes. Tiens, je savais qu'elle n'accepterait pas ces arguments sans se défendre. Allez, c'est le moment-là. La grande inquisitrice Aurora et l'inquisiteur Garnett sont les pourvoyeurs de justice à la Labyrinthia. Émettre une telle accusation sans une preuve irréfutable vous vaudra de sévères sanctions. Il veut dire quoi par de sévères sanctions? À mon avis, il est en train de dire que si on ne retourne pas la situation très vite, on risque de vite rejoindre Monsieur Belduc. Je dois absolument présenter une preuve décisive et Fissa. Je devrais pouvoir m'en sortir. La grande inquisitrice Aurora est bien l'agresseur qu'on cherche. Et ce qu'il confirme, c'est... Oh putain. Bah, ce qui peut le confirmer, c'est le fait qu'elle se soit fait arracher le talisman et qu'elle ait une marque sur le cou. Là, comme ça, c'est le premier truc qui me vient à l'esprit. Donc je vais dire ça. Votre honneur, la défense a trouvé une preuve décisive qui lie la grande inquisitrice Aurora au crime de ce soir. Une preuve, dites-vous? Vous me semblez bien hardi, monsieur l'apprenti avocat. Très bien, voici votre chance de présenter cette preuve. Mais Garnett, il est en tôle. Sinon, il serait venu.
montrer à cette cour la preuve qu'il est la grande inquisitrice Aurora au crime qui a lieu plus tôt. C'est clairement ça. C'est le talisman que Mademoiselle Mortem a arraché à son agresseur, n'est-il pas ? En effet, votre honneur. Mais de plus, ce talisman nous a laissé un indice de taille. Grande inquisitrice, ce talisman est connecté à un indice qui se trouve sur votre propre personne. Sur ma personne ? J'avoue ne pas savoir. Bah non, parce que l'inquisitrice, elle a fait en sorte qu'il puisse pas venir. C'est elle qui l'a piégé. Donc elle a tout fait pour qu'il puisse pas venir à la barre. Bon, je sais plus ce qu'elle a fait exactement, mais en gros, il va pas sortir. J'avoue ne pas savoir où vous comptez nous emmener avec ceci, mais dédiez montrer cet indice à la cour. Montrez-nous quel indice est censé se trouver sur la personne de la grande inquisitrice. Putain. Juste là. Ici. Le cou de la grande inquisitrice. Mademoiselle Mortem a arraché ce talisman du cou de la grande inquisitrice. Merde. Pourquoi il y avait un point d'interrogation? J'ai pas lu la bonne personne. Jetez un coup d'œil à la chaînette. Il y a encore des traces de sang dessus. D'après son témoignage, Mademoiselle Mortem a tiré sur la chaînette. Elle a d'ailleurs déclaré avoir bouffé le cou de son agresseur. Est-ce que vous confirmez ceci, Mademoiselle Mortem? Oui. Dans ce cas, l'agresseur devrait toujours avoir les marques de cette confrontation sur son cou. Oh! Acceptez-vous de laisser cette cour examiner votre cou, grande inquisitrice Aurora? Je suis sûr que sous ce col à... Ce col pélatard, what the fuck, nous trouverons la marque que nous cherchons. À moins bien sûr que vous ayez réussi à vous en débarrasser grâce à un sort. Ouh, elle est au pied du mur, là. Je suis impressionné. Pardon ? Oh là. Let's go. Je dois l'admettre, monsieur Wright. Votre lame émoussée s'est finalement transformée en une arme utile. Vous avez raison, en effet. Il se trouve que j'ai une marque sur le cou qui m'a été infligée ce soir. Ah ! Mademoiselle Aurora. Mais quelle est la signification d'un tel aveu ? Ça voudrait dire que Mademoiselle Aurora serait... la grande sorcière. Votre honneur. Ah, oh, oui. Je vous avais oublié, monsieur l'apprenti avocat. Oh, je suis sénile. Je suis vieux. Ça va. Je sais qu'il est choqué par tout ça, mais quand même. Votre honneur. La défense souhaiterait appeler la grande sorcière inquisite... Merde. J'ai encore fait un petit... Oh là. La grande inquisitrice Aurora à la barre des témoins. Mais qu'elle monte son coup. Que dites-vous ? Il est évident que la grande inquisitrice a joué un rôle dans les événements de ce soir. De plus, il est possible qu'elle ait abusé de son autorité afin de faire passer ma cliente pour la grande sorcière. Quoi ? Jamais au grand jamais de mémoire de juge, un inquisiteur n'est passé par la barre des témoins. Eh bien, nous sommes là pour écrire l'histoire, lol, et découvrir la vérité, que je sache, votre honneur. Oui, mais... ce procès ne peut pas continuer sans un inquisiteur. Et dans ce cas, pourquoi ne pas aller choper... chercher l'inquisiteur Garnett ? Ouais, t'as plus de pouvoir, hein. Il est toujours incarcéré dans les donjons souterrains pour sa trahison envers le narrateur. Je doute qu'il soit en mesure de se joindre à nous pour ces petites festivités. C'est pas possible. C'est regrettable, vous ne trouvez pas, monsieur Wright ? Ça ne servira strictement à rien si la grande inquisitrice ne passe pas par la barre des témoins. Ouh, ça devient un peu sérieux, là. Womp womp. C'en sera fini, Daria, et on ne saura jamais ce qu'il s'est vraiment passé. Mais d'un autre côté, sans inquisiteur, le procès ne pourra pas continuer et le résultat sera le même. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire ? Un instant. Allez, putain, ça c'est... Let's go ! Let's go, putain ! Je pense pouvoir remplir ce rôle. Professeur Layton, oui. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je suis en mesure de prouver que Mademoiselle Novella est la grande sorcière Arcana. Hein ? Oh là là ! À
À présent, monsieur Famoso, il est temps de tirer les choses au clair. Une bonne fois pour toutes. Oh, j'avais pas remarqué que t'as changé de pseudo en plein live. Incroyable. Nous avons longtemps attendu l'aide du professeur. Je savais même pas que c'était possible. C'était le seul en mesure de trouver la preuve qui nous ferait gagner le procès. Mais quand il est arrivé, il s'est dirigé vers le banc de l'accusation. Mais le professeur n'était plus dans notre corps. J'appréhendais la suite du procès. Comment allait-il donc se conclure ? Oh, c'est incroyable, putain. Il faut qu'on aille jusqu'au bout, là. Il nous reste à peu près une heure, vu que j'avais du retard. Ouf, ça va être long. Oui. Je sauvegarde la partie. Dernier chapitre. J'espère, parce que ça fait au moins 3 fois que je dis ça. Mais a priori, c'est vraiment la fin, là. Mais... professeur, qu'est-ce que vous faites ? Que voulez-vous dire, monsieur Wright ? En plus, c'est... Martial Leminou et Donald Renew. Incroyable. Vous étiez censé débarquer avec une preuve décisive pour nous aider, professeur. J'ai bien peur que ma priorité ne soit que la vérité. La vérité ? La vérité sur la grande sorcière Arcana. Ou devrais-je dire, mademoiselle Aria Novella. Si la vérité nous contraint à nous opposer dans ce tribunal, alors qu'il en soit ainsi. Vous avez intérêt à défendre mademoiselle Novella de votre mieux, monsieur Wright. La séance est en cours. Êtes-vous prêt de grand réquisition, Aura ? Tant que je serai à la barre des témoins, point n'est besoin de m'appeler la grande inquisitrice. C'est trop long, mademoiselle Aurora suffira amplement, c'est parfait. Mademoiselle Aurora, il y a quelque chose que j'aimerais confirmer. Un peu plus tôt, nous avons établi que vous trouviez au beffroi au moment du crime. Ah. Il y avait donc un total de 3 personnes présentes. Ça a l'air d'être le cas, en effet. Et pourtant, vous avez réussi à éviter une dizaine de miliciens. Et ce, grâce à ceci... La tunique d'invisibilité. Autrement dit, nous avons toutes les raisons de vous soupçonner quant aux événements de ce soir. Mademoiselle Aurora, bien que je ne saurais croire en votre trahison, pourriez-vous nous conter à cette cour ce qui s'est passé au moment du crime ? Eh bien, j'espère que j'aurai un peu de temps pour du Minecraft après aussi. J'ai envie de faire un ou deux trucs. La place du Beffroi devait être le terminus du défilé. J'ai effectué une patrouille autour du périmètre pour vérifier que tout était normal. En passant devant le Beffroi, j'ai remarqué une paire de traces de pas, et donc je suis entré pour enquêter. Je me suis caché des miliciens pour une raison qui ne concerne que moi. Arrivé au sommet du Beffroi, j'ai aperçu l'incluse qui me tournait le dos, j'ai donc tenté de l'appréhender. Vous avez appréhendé l'incluse ? Ma position de grande inquisitrice m'amène à entreprendre diverses tâches secrètes. Et ce, à l'insu des citoyens de Labyrinthia. Une de ces tâches consiste à assurer la sécurité du narrateur. Sa sécurité, bah c'est raté, lol. Et de ce fait, cela explique mes actions de ce soir. Je vois. Monsieur l'apprenti avocat, veuillez entamer votre interrogatoire. Oh, Layton, mais quel tchad. Un instant. Quand vous dites que tout allait bien, vous voulez dire que rien ne menaçait le narrateur, c'est ça ? Dites-moi, monsieur Wright, vous n'êtes certainement pas sans connaître la dernière partie de l'histoire. Elle doit parler de la partie sur la disparition du narrateur. Maigres sont les chances de modifier ce qui a été écrit dans l'histoire. Néanmoins, il y aura toujours des effrontés qui pensent pouvoir s'enrichir de ce destin. Nos pensées se rejoignent. Qu'est-ce qu'il y a, Maya ? Tu as remarqué quelque chose ? On peut dire ça. C'est juste que, regarde un peu Rose, elle a l'air de faire une dépression depuis le début du procès. Ouais, Rose, je l'avais complètement oubliée. C'est pas que ça, elle a l'air épouvantée en plus. T'as raison, on peut pas se permettre de la négliger. Je me demande si Rose a autre chose à nous révéler. Il faut que je pense à l'interroger dès que je vois une ouverture. Bon, ça me paraissait évident que ça allait arriver. Il s'agissait sûrement des traces de pas que Mademoiselle Mortem a laissées en pénétrant dans le beffroi. Certes, le sol était devenu quelque peu boueux. Ses empreintes étaient donc clairement visibles. D'accord, d'après le rapport des miliciens...
Il pensait que les traces de pas étaient celles de Béatrix. À tort. C'est vrai, son empreinte aurait dû contenir une marque de talon aiguille. Mais les traces de pas que j'ai observées au beffroi ne contenaient pas de talons. Et vous êtes monté en marchant bien sûr sur ces traces pour ne pas y laisser les vôtres, n'est-ce pas? Exactement. À ce moment-là, ma tâche première était d'assurer la sécurité de la place du beffroi. De fait, il était de la plus grande importance que ma présence demeure occulte. Si un habitant de la cité vous avait aperçu, cela aurait soulevé beaucoup de soupçons. Certes, c'est pour cela que je ne souhaitais point avertir les miliciens de ma présence, d'où la nécessité pour moi de passer inaperçu, même si j'ai dû utiliser les traces de pas d'une tierce personne. Je vois. Une ingénieuse stratégie de la grande inquisitrice. Est-ce que ce témoignage contient des incohérences? Merde, j'ai pas fait assez attention. Mais je crois pas que pour l'instant on puisse se permettre... Au pire, on y reviendra, non? Bon allez, on va essayer. Mademoiselle Aurora, je viens tout juste de remarquer un détail très pertinent dans votre témoignage. La défense exige que vous modifiez votre témoignage. C'est plus fort que vous, n'est-il pas? Vous ne pouvez pas contrôler cette imagination saugrenue qu'est la vôtre. L'Inquisition n'a pas d'objection. Très bien, Mademoiselle Aurora, veuillez modifier. Très bien. Et du coup, c'est là que ça va faire réagir Rose. Merde, c'était là? Je sais plus où on en est, ça va trop. Il s'agissait sûrement des traces de pas que Mademoiselle Mortem a laissées en pénétrant dans le beffroi. Certes, le sol était devenu quelque peu boueux, là là là. Bon, là, on revient là-dessus. À ce moment-là, ma tâche première était d'assurer la sécurité de la place du beffroi. Bon, ok, c'est là. Un instant. Mademoiselle Aurora, pourquoi est-ce que vous êtes allée au beffroi toute seule? Je l'ai déjà dit plus tôt, je sécurisais les environs de la place du beffroi. D'accord, mais vous aviez quand même une petite intuition qu'Arcana serait dans les parages, non? Il aurait été plus judicieux d'emmener des renforts avec vous pour pénétrer dans le beffroi, vous ne pensez pas? Monsieur Wright, vous avez été témoin de l'invocation du dragon de feu, n'est-il pas? Alors vous devrez savoir que si j'avais emmené 10 gardes avec moi, 10 vies auraient été gaspillées. Elle n'a pas vraiment tort. D'ailleurs, même si ces 10 gardes avaient été à mes côtés, ils sont loin d'être aussi efficaces que l'exaspérant Molloffs de l'inquisiteur Garnett. Aucune objection sur ce sujet, c'est pas faux. Et dis, Nick, tu sais le témoignage d'Aurora? Je crois que j'ai remarqué un truc louche. Ouais, moi aussi. Ce serait peut-être pas une si mauvaise idée de jeter un coup d'œil au dossier de l'affaire. Ah putain, je sais pas... Bon, d'abord, continuons. Un instant. Et quelle était cette raison? Oh merde, je me suis étouffé, pardon. Cela concernait le narrateur. Il s'agissait d'une mission que je devais remplir à ce moment-là. Vous pensez que ça aurait un rapport avec les prédictions dans l'histoire? Les décisions du narrateur sont finales. Par conséquent, tous ceux qui tentent d'altérer sa volonté devront faire face aux conséquences. Et voilà. Excusez-moi, Mademoiselle Mortem. Témoin! Ah, oui? Ça m'étonne pas, elle se souvient même pas de son propre nom. Vous avez remarqué quelque chose de suspect concernant le témoignage que l'on vient d'entendre? Est-ce que le témoignage de la grande inquisitrice vous a rappelé quoi que ce soit? Non, je suis désolé, je n'ai rien, oui, tel. C'est juste que je suis déçu de mon comportement. Vous êtes déçu? J'ai voyagé jusqu'ici à Labyrinthia afin d'y accomplir ma mission, mais ce que j'ai gagné, c'est de m'être fait capturer. Capturé ou pas, Mademoiselle Mortem, le narrateur est tombé comme prévu, n'est-ce pas? Ce soir, tandis que l'averse balayait la cité, j'ai atteint ma destination. Comme à l'accoutumée, des gardes surveillaient les alentours du beffroi. Il y en avait 10 en tout, j'étais si anxieuse. Elle doit sûrement faire allusion aux miliciens. Reste calme, tout ira bien tant que tu auras cette tunique, me répétais-je sans cesse. Manifestement, j'avais tort.
Mais si j'avais été un peu plus prudente, rien de tout ça ne serait arrivé. Tout devient un peu plus clair pour moi. C'en est assez. À votre place, j'implorais le pardon pour mes crimes passés. Je peux te spéculer sur ce qui aurait pu être. Est-ce qu'il y a quelque chose de louche avec le témoignage de Rose? Il y a toujours des trucs étranges. Un instant, s'il vous plaît. Concernant votre témoignage, Mademoiselle Mortem, vous avez dit avoir pensé tant que vous aviez la robe, tout irait bien. Oui, en effet. Ah oui, c'est pas elle qui l'avait. Donc en gros, vous portiez la tunique en permanence lorsque vous étiez au sommet du beffroi. Oui, je l'avais tout le temps sur moi. Enfin, jusqu'à ce que l'on m'attaque. Puis la tunique s'est envolée avec le vent. Mademoiselle Mortem, c'est la première fois que vous mentionnez ce détail. Ah oui, j'ai dû oublier. Votre honneur, peut-être devrions-nous ajouter cette information au dossier de l'affaire. Certes. Mademoiselle Aurora, veuillez poursuivre. Donc, il y a clairement un truc louche là-dedans. Un instant! Vous pensez qu'il s'agissait de la grande sorcière Arcana? Je veux dire que vous avez dû y penser, vous avez forcément prévu un moyen de vous défendre. Bien que j'ai du mal à l'avouer, j'ai à mon grand regret agi sans tenir compte des conséquences. J'avoue, lui qu'il est pas là, c'est bizarre. Néanmoins, dès que j'ai remarqué une présence, j'ai pris les devants. Je ne m'attendais pas à ce que l'intruse fasse preuve d'une telle vigueur. J'aurais peut-être dû amener des renforts. Malheureusement, je n'avais pas les idées claires à ce moment-là. Je me suis dit que ce n'était pas nécessaire. Mais Mademoiselle Aurora, grâce à votre prompt discernement, vous avez quand même réussi à attraper la suspecte. Malheureusement, votre honneur, ce n'est dû qu'à un coup de chance. Des résultats exceptionnels ne peuvent être obtenus que par un raisonnement d'exception. N'êtes-vous pas d'accord? Pourquoi vous me regardez quand vous dites ça? J'ai comme l'impression que c'est les seules infos que j'arriverai à lui arracher. Tu sais, si Aurora était juste là pour arrêter l'intruse, alors pourquoi elle l'a pas dit tout de suite? C'est simple, c'est une information accessible uniquement par les personnes concernées. Les personnes concernées? Ces procédés secrets sont assez communs, mais il faut une raison valable pour occulter certaines informations. C'est bien pour ça qu'on doit découvrir ce qu'elle faisait vraiment là. Il faut que je trouve un moyen de la pousser à nous le dire. Enix, c'est moi qui hallucine ou tu as aussi l'impression qu'on t'observe? Ouais, c'est clair. C'est Luc. Je me demande bien pourquoi le professeur agit de cette manière, c'est clairement le narrateur. Il a dû se passer quelque chose, jamais il ne nous trahirait. Le professeur est resté très silencieux jusqu'ici. Mais je suis sûr qu'il a remarqué un détail louche dans le témoignage d'Aurora. Peu importe, il a forcément quelque chose d'utilisable dans ce témoignage. On doit juste faire en sorte de le passer au peine fin pour y trouver des contradictions. T'as raison, Nick. Waouh. Donc. Là, il disait qu'il y avait un truc de bizarre. Non, là, c'est bizarre, en vrai. C'est caché des miliciens. Mais il n'y avait qu'une seule tunique. Mais après, non, elle en avait peut-être une deuxième. Bon, je vais essayer quand même. Ah, putain, je me suis trompé. Ah, c'est pour ça qu'on fait des sauvegardes d'état. Hein. Ah, mais ça, c'est la tunique portée par Rose. Elle a pu planquer la sienne, mais bon, ça se tente. C'est pas ça. Un instant. Non, mais je me trompe à chaque fois. Mais c'est là qu'elle disait qu'il disait qu'il y avait un truc chelou. Ouais, y a un truc où je suis là-dedans. On a une nouveauté sur la cape. Objection! C'est pas ça, hein. C'est pour plus tard. Ça peut être les miliciens aussi, parce que c'est eux qui ont repéré.
Oui, parce qu'il disait qu'il avait vu des talons. Elle dit qu'elle n'avait pas... Le principe, c'était qu'il y avait des traces de talons qui avaient marché par-dessus. Et il y en a un, il était sûr et certain d'avoir vu des talons, il pensait juste que c'était ceux de machin. Objection ! Putain, c'est pas ça non plus. Chier. Je serais tellement mort. Oh là là ! Ah, c'est pas le bon... Putain, je commence à sécher un peu là. Elle est pas censée être une sorcière dans l'histoire. Ouais. Ah, c'est quoi ? Bah, le fait qu'a... Comment Ariel est montée, en fait ? Je me souviens plus, maintenant. Je me suis tout mélangé. Est-ce que Ariel était déjà là ? Objection ! Elle était pas encore là, alors. Je ne sais pas. Bon, j'ai pas envie de perdre trop de temps, les gars. Allez, vas-y. C'est quoi l'indice? Ah merde! Ah oh, putain, c'était là qu'il fallait attaquer. Ok. Bon, attends. Plus simple. Parce que j'ai pas envie de me retaper tout le dialogue. Voilà, on remet le truc. Là. L'intruse qui me tournait le dos. Bah oui. Elle était censée faire face. Mais j'attaque avec quoi, maintenant? Ah, d'accord. Prince de pas. Ah, mais il y avait un croquis de ça. Bon, ça va pas nous aider là-dessus. Bah la cape du coup, parce qu'on a mis à jour la cape. Ok, waouh. Ah, parce qu'elle avait plus la cape. Non, elle l'avait encore. Donc la personne que vous avez vue pénétrer dans le beffroi n'était autre que Mademoiselle Mortem. Le seul problème avec cette affirmation, c'est que ça aurait été impossible. De quoi parlez-vous, Monsieur Wright? Mademoiselle Mortem, devrais-je dire le témoin, a déclaré que lorsqu'elle attendait au sommet de la tour, elle portait la tunique d'invisibilité. Ah putain, j'ai raté ça. Par conséquent... Mais je me fais bait, en fait, par les dialogues qu'ils ont après les attaques. Mademoiselle Aurora n'a à aucun moment pu voir Mademoiselle Mortem. Oh, vous avez raison. Toute personne affublée de cette tunique devient invisible. Certes, mais il existe un groupe de personnes qui n'est pas régi par cette règle. Et de qui s'agit-il, selon vous? Seuls les habitants du bois enchanté peuvent voir cette tunique. Si vous êtes effectivement originaire de cette forêt, alors vous n'avez aucun problème pour voir cette chose. Objection. Qu'insinuez-vous, Monsieur Wright? Comme Mademoiselle Aurora est native de ce bois enchanté, c'est cela? Et qu'elle connaissait cette gente dame avant d'aujourd'hui? Tout à fait, professeur. Est-ce que donc cela... Qu'est-ce à dire que ceci? Oh, quelle fascinante plaidoirie, Monsieur Wright. Néanmoins, vous êtes passé à côté d'un petit détail. J'ai oublié quelque chose. Vous affirmez que Mademoiselle Aurora a vu quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir. Cependant, la vérité est tout autre. Il se peut qu'autre chose soit à l'origine des événements de ce soir. Quoi? J'ai bien entendu. Et c'est assez simple à élucider. En gros, le témoin n'a pas revêtu la tunique tout de suite. Insinuez-vous, inquisiteur? Le témoin a démontré à maintes reprises que ses souvenirs des événements de ce soir sont peu fiables. Je pense que lorsqu'elle montait les marches du beffroi, elle avait déjà enlevé la tunique. Quoi? Si vous le dites, inquisiteur. Si vous lui dites, bah non, c'est toi qui es... Ouais, bref.
Comme vous pouvez le voir, Monsieur Wright, votre allégation n'est que pure spéculation. Votre petit témoin n'a pas cessé de mentir à cette cour, c'est aussi simple que ça. Objection ! Un instant, le témoin était on ne peut plus clair lors de son témoignage, n'est-ce pas, Mademoiselle Mortem ? Je ne suis pas sûr. Quoi ? Je veux dire, ma mémoire est trouble. C'est pas possible ! Il semblerait que cet angle d'interrogation ne soit plus d'aucune utilité. Votre honneur, j'exige que nous poursuivions l'interrogatoire. Très bonne idée, inquisiteur. Dans ce cas, Mademoiselle Aurora, veuillez poursuivre votre témoignage. Vos désirs sont des ordres. C'est pas fini? Je suis vraiment pas convaincu que Rose ait toujours l'air de cacher Rose a toujours l'air de cacher quelque chose. Si seulement on avait un moyen de lui tirer les vers du nez, n'est-ce pas, Nick? Malgré les arguments, Aurora reste impassible et dévie toutes les attaques. Ouais, ça va pas être une partie de plaisir, ça c'est sûr. C'est pour ça qu'on doit se concentrer sur Aurora. Si on continue comme ça, tôt ou tard, Rose sera bien obligé de parler. Ouais, Nick, c'est le plan le plus sournois que je t'ai vu élaborer. Bien, il y a un ou deux indices cachés quelque part dans ce témoignage et je les trouverai. Peut-être que je devrais revérifier son témoignage précédent, il y a forcément d'autres contradictions. Ah oh, putain, en fait j'étais peut-être trop en avance. Un instant. Allez, on continue. Pas besoin de relire, hein, c'est bon. On peut interroger quand on veut en plus. Mais bon, c'est pas le projet. Du coup, ça doit être après. Ça, on l'a vu. Allez. C'est long. Un instant. On va tout refaire, hein. On peut dire ça. Non, ça on l'avait déjà vu. C'est juste pour nous faire remarquer qu'il faut regarder Rose. Un instant. C'est là qu'elle avait tilté Maya. Ok. Un instant. C'est là que ça doit être bizarre alors. Un truc louche. Mais oui, il y a un truc là qui va pas, mais... Je vais essayer de représenter des trucs, hein. Je vais essayer de présenter les traces de pas. C'est pas ce que je voulais. Je vais faire ça. Objection ! Yes, c'est bien ça. J'en ai la main... Merde, j'ai la main... Oh, je vais recommencer. J'ai en main le croquis montrant les traces de pas laissées sur les marches du beffroi. Alors dites-moi, Mademoiselle Aurora, est-ce que ce sont vos empreintes ? Ça m'en a tout l'air. Loin de moi l'idée d'offenser de courageux miliciens, mais la mission de ce soir ne concernait que moi et personne d'autre. Très bien, si vous le dites, malgré tout, je n'ai pas pu m'empêcher de déceler une contradiction. Comment ? Que dites-vous ? Mademoiselle Aurora, laissez-moi vous rappeler ce que vous avez déclaré tout à l'heure. Vous avez dit avoir superposé vos pas aux empreintes sans talons autant que possible pendant que vous montiez les marches. Par contre, si vous examinez les traces de pas laissées ensuite...
Remarquez qu'il y a non seulement le talon, mais aussi le pied tout entier. Si vous essayez vraiment de superposer vos empreintes avec celles présentes, alors il ne devrait pas y avoir de marque de talon. C'est exact, en effet. Même si un tel détail n'a pas vraiment de poids sur la durée. Je dois avouer que c'est un détail bénin, votre honneur, mais j'ai remarqué autre chose. Il y a un détail révélateur dans le témoignage de Mademoiselle Aurora. Révélateur, dites-vous? Elle a déclaré avoir marché sur les traces de pas déjà existantes afin de dissimuler sa présence. Donc, il y a un étrange phénomène à l'œuvre ici. Plus spécifiquement, pourquoi ces traces de pas n'ont pas été effacées de la scène du crime? Objection! Monsieur Wright. Oui, professeur? Dites-moi, pouvez-vous montrer à cette tour pourquoi ce détail, à première vue insignifiant, vous paraît si étrange? Je ne sais pas vraiment pour l'instant. Qui peut véritablement dire si ces empreintes sont ou non dignes de tout ce tumulte? Et si c'était le cas, quelles seraient les conséquences? C'est à cela que vous devez répondre avant tout, monsieur Wright. Je doute que vous puissiez faire passer cela pour une contradiction flagrante. Pas encore, en tout cas. Il est encore en train de faire marcher son cerveau de cyborg. C'en est assez. Mademoiselle Mortem? Mademoiselle Aurora, comment? Comment avez-vous pu? Comment avez-vous pu nous abandonner de la sorte? Comment avez-vous pu nous trahir? Ouh, ça craque. Trahir? Dis-moi, quelle est la signification de ce tumulte? Beaucoup de fois, moi, le tumulte, rapidement. Mademoiselle Aurora, vous êtes la souveraine du bois enchanté. Vous êtes celle qui nous a fourni les missions à accomplir. Quoi? What the fuck, bro? C'était tellement pas évident du tout. Cette misérable Ribaud n'est autre qu'une mauvaise graine de sorcière. Nous ne pouvons la prendre au sérieux. Hop de labyrinthia, je vous demande, qui suis-je si ce n'est qu'une fidèle enfant de cette belle cité? Non, vous mentez, Mademoiselle Aurora. Quand j'attendais au sommet du Beffroi, je portais bien cette tunique. Mademoiselle Aurora, vous... Vous portiez d'ailleurs une tunique similaire, n'en avez-vous pas souvenance? Quel ramassis de sottises. Je n'ai pas la moindre idée de ce à quoi vous faites allusion. Tout ce que j'ai fait, c'est d'éviter ces soi-disant miliciens. C'est un exercice des plus aisés pour une personne comme moi. Oui, je suis d'accord. Ça aurait été vrai. Si vous étiez seul à ce moment-là... Pourtant, what the fuck, il y a encore quelqu'un. Seul, Mademoiselle Mortem, expliquez-vous. Assez. Oyez-moi très attentivement. Continuez comme ceci, et je ferai en sorte que ce tribunal soit votre ultime destination. Cela importe guère, la fin est très proche. Après les événements de cette journée, je ne devrais même pas être ici. Mademoiselle Mortem, vous dites que Dame Aurora n'était point seule au moment de l'incident? Certes. Bah, elle avait rien, voilà. Mademoiselle Aurora était affublée de la tunique d'invisibilité. Et sous la tunique, se trouvait une jouvencelle évanouie. Elle la portait sur son dos. Quoi? Et voilà, c'est là qu'elle rentre en scène, Aria. Une jouvencelle? Serait-ce? Exactement. Il s'agissait de la même jouvencelle qui se trouve dans cette cage là-haut. Vous voulez parler de... Ariane Vela? Silence, silence! Donc l'accusé a été porté jusqu'au sommet du Beffroi? Votre honneur, je n'ai rien d'autre à dire. C'est la parole d'une grande inquisitrice contre celle d'une sorcière. Mais dites-moi, qui croira-t-on à votre avis? Objection! Mademoiselle Aurora, vous êtes la mieux placée pour savoir ceci. L'important n'est pas de savoir qui croire ou ne pas croire. Ce sont des mots vains dans un lieu comme celui-ci. Les seules choses qui importent dans un tribunal sont les preuves. Êtes-vous d'accord, monsieur Wright? Oui, tout à fait, professeur. Tiens, tiens, les esprits s'échauffent, il me semble. Bien, dites-moi, monsieur Wright, pouvez-vous prouver ce que vous avancez? Vous pensez réellement prouver que moi, la grande inquisitrice de Labyrinthia, ai porté l'accusé jusqu'au sommet du Beffroi? Putain. On dirait que Rose était censée le garder le petit secret d'Aurora. Mais elle n'a pas supporté tous les dénis d'Aurora et a enfin trouvé le courage de se rebeller. Je vais pas laisser les efforts de Rose se perdre. Peu importe ce qui se dresse sur mon chemin, je trouverai la vérité. Votre honneur, la défense voudrait présenter la preuve qui montre que Mademoiselle Aurora a bien porté l'accusé jusqu'au sommet du Beffroi. Oh la vache. La vache.
La preuve qui montre qu'elle l'a portée. Oh, putain. Bon, là, il n'y a pas de magie, donc c'est pas de la sorcellerie. Une preuve. C'est quoi déjà? Ah oui, on voit ça. Ça, ça va pas nous aider. Ça non plus, je suis pas sûr. Ou le fait qu'elle ait dû marquer ses pas. Elle pouvait pas genre juste faire attention de là où elle marchait. Elle devait marcher genre le pied bien posé. Il y a peut-être un délire avec ça. Ça peut être aussi le talisman parce qu'elle voulait le deuxième. La tunique. Parce que la tunique, elle était énorme. Ils ont dit que la tunique était vraiment très grosse. Et ça, c'est la tunique de Rose. Mais ça colle pas parce que Rose, elle est petite. Oui, c'est celle de Rose. Mais me dis rien. Ne me dis pas si je me trompe. Aucun intrus n'y a pénétré. Bah, le fait qu'ils aient pas vu à rien, en fait. Bonsoir, Flora. C'est toujours pas fini, non, mais c'est bientôt. Moi, j'ai envie de dire que c'est ça, parce que... Garder en permanence, aucun intrus n'y a pénétré. Putain, c'est pas ça. Oh, mon Dieu. Oh, ça fait mal, ce qu'il dit Layton, là. Bon, effectivement, c'était pas ça. Non, c'est Layton. Oui, Amaï a changé de pseudo. Il s'en est passé des choses, hein. Putain, ça peut être quoi? Qui prouve qu'elle l'a porté? C'est pas ça non plus. Mais c'est... Non, c'est trop lié avec le pendentif, ça. Ouais, c'est les traces de pas, c'est bien ça. Putain, en plus, j'avais dit juste, je crois. Hein. Il y a quelque chose dans vos témoignages qui me tracasse. Elle est pas habituée, Flora. Nébilu. Nébiléo. Ah oui, c'est vrai, il y a le U, il manque le U. Ce sont les traces de pas sur les marches du beffroi. Même si je pourrais déjà expliquer à ce sujet, j'admets qu'il s'agissait bien de mes empreintes. Mademoiselle Aurora, vous avez déclaré ceci. Les empreintes ne comportaient pas de talons, donc en montant les marches, j'ai pu superposer mes pas autant que faire se peut. Par contre, la réalité est différente. Les traces de pas dessinées sur ce croquis contiennent bien les talons. Autrement dit, quelque chose vous a empêché de superposer vos pas avec les empreintes déjà présentes. Empêché? Ah, vous voulez dire que... C'est cela, votre honneur. Mademoiselle Aurora, lorsque vous êtes montée dans le beffroi ce soir... Vous portiez Mademoiselle Novella sur votre dos, je me trompe. En plus, t'as changé de couleur, c'est vrai. Ah! C'est vrai aussi, tu changes souvent. Rappelez-vous, la pluie est tombée de rue ce soir, donc les escaliers étaient forcément glissants. Comme vos deux mains étaient occupées à porter ma cliente, monter sur la pointe des pieds en toute sécurité était impossible. La voilà la vérité sur ces traces de pas laissées sur les marques du beffroi. On dit non. Mademoiselle Aurora, vous ? Très bien, je l'admets. Ah, vous l'avez dit vous-même, j'ai revêtu la tunique et je suis montée. Mais je n'étais pas seul. Je portais Aria Novella ainsi que sa petite compagne. Petite compagne ? Bah le chat, ouais. Cette boule de poils noirs, elle la trimballe partout avec elle. Oh, elle doit parler d'Eva. Une fois arrivée au sommet... J'ai vu cette damoiselle et je l'ai appelée. J'étais pour le moins choqué de voir notre souveraine en personne. Merde. J'étais pour le moins choqué de voir notre souveraine en personne à cet endroit. Sa présence était un désagrément, donc je l'ai endormie prestement. Croyez-le ou pas,
cela s'est passé comme vous l'aviez dit. Je l'ai assoupli avec un reste de potion de Monsieur Belduc. C'est donc là que Mademoiselle Mortem s'est débattue à arracher le talisman de votre cou, n'est-ce pas? En effet. On s'y adapte vite. Enfin, c'est vrai que ça va faire bizarre de plus dire « Amayu ». C'est pas grave, on va s'y faire. On va s'habituer. Je n'ose y croire. Cela voudrait donc dire que ce talisman est vôtre, Mademoiselle Aurora. Nebi, on pourra dire ça. Nebi. Oui, Kira va se faire opérer. Oh là là. Terrible. On lui donne tous nos totems d'immunité. Au cœur avec le fantôme, quoi. J'ai une autre question, Mademoiselle Aurora. Pourquoi ? Pourquoi avoir emmené Aria Novella au sommet du Beffroi ? Pourquoi l'avez-vous endormie ? Et pourquoi avoir pris la peine d'éviter les miliciens ? Pour quelle raison avez-vous fait tout cela ? Je n'ai pas à répondre à cette question, Monsieur Wright. Attends, sop, chez Bibou. Quoi ? Et pourquoi ça ? C'est très simple, ceci n'a aucun lien avec l'affaire en question. Voilà pourquoi. Objection ! Vous foutez de ma gueule ? Mademoiselle Aurora, vous avez fait perdre connaissance au témoin et l'avez enfermé au sommet du Beffroi. Je dirais que c'est en lien direct avec cette affaire. Objection ! Qu'est-ce qu'il veut encore, Layton, là ? Votre honneur, si je puis me permettre, l'Inquisition pense que la question posée par la défense n'a aucun lien avec l'affaire jugée aujourd'hui. Professeur ? Mais qu'est-ce que vous racontez ? Dans cette musique, il me semble que la défense a omis un détail d'une grande importance. À savoir, le but de ce procès, Monsieur Wright. Hein ? Ce procès a pour objectif de découvrir l'identité de la grande sorcière Arcana. Que Mademoiselle Aurora ait ou non enfermé le témoin au sommet du Beffroi n'a pas de pertinence quant à l'issue de ce procès. Mais... Par contre, une chose est très claire. Si ni Mademoiselle Aurora ni Mademoiselle Mortem ne peuvent être la grande sorcière Arcana... Quoi ? Si ça avait été le cas, alors aucune d'entre elles n'aurait eu besoin de cette tunique d'invisibilité. Elles ne peuvent pas faire usage de la sorcellerie, par conséquent, aucune d'elles ne peut être la grande sorcière. C'est une déclaration un peu plus directe, à vrai dire. Oui, c'est la confrontation. Lors de l'incident, il y avait trois personnes présentes. Sur ces trois, deux d'entre elles ont utilisé cette tunique. Il ne restait donc une personne, n'est-ce pas, Mademoiselle Novella ? Confus. Sachant ceci, la question qui subsiste est, qui est Arcana ? N'est-ce point évident ? Je sais pas pourquoi tu dis ça à Florent en particulier. Ça ne peut être que l'accusée, Aria Novella. De plus, tous les habitants ont ouï la voix de l'accusée, tandis qu'elle prononçait l'incantation Draconis. Objection ! Si vite, il se trouve que ces témoins ont un rapport avec ce procès. Ah oui, parce que tu l'avais fait embarquer avant aussi. Vous avez déjà oublié Mademoiselle Mortem aux dernières nouvelles. Elle a été envoyée au bûcher. Et malgré tout, elle est ici en un seul morceau à témoigner qu'elle est revenue pour se débarrasser du narrateur. Ensuite, on a Mademoiselle Aurora, qui en dehors des témoins, qui prend la liberté de les emmener au sommet du Beffroi. Je suis depuis le début. Elle était là depuis le début. Depuis avant même que je joue pour la première fois à Layton, elle m'observait. Quand j'étais à 11 ans, en train de jouer à ma DS. Je pense que ça fait plusieurs raisons d'enquêter sur la véritable identité de ces deux personnes. Tout ça pour arriver à la conclusion qu'aucune d'entre elles n'est la grande sorcière. Ce que je dis, c'est qu'elles ont peut-être un lien avec Arcana. La cour va annoncer sa décision concernant cette impasse. Je dois dire que la déclaration de l'inquisiteur Layton, cela c'est vrai. Par contre, Mademoiselle Aurora, je dois vous poser une question. Que comptiez-vous accomplir ici ce soir ? Loin de moi l'idée de tromper les honnêtes citoyens de Labyrinthia, je peux vous l'assurer. Mais je me dois de vous révéler la vérité à tous. Qu'a-t-elle dit ?
Mademoiselle Aurora... Attendez, j'ai perdu l'accent. Mademoiselle Aurora n'est tout de même pas de ligue avec une sorcière, n'est-ce pas? C'est impossible. Celle qui a envoyé l'autre sorcière à sa perte. Mademoiselle Aurora, êtes-vous en train de dire que vous êtes... Certes, votre honneur, je suis une ombre. Une ombre? Mademoiselle Aurora, veuillez expliquer à cette cour ce que vous voulez dire par ombre. Oui, bien sûr, je n'en puis plus d'être à cette barre, je vais vous dire tout ce que je sais. Est-ce qu'elle est encore en train de manigancer? Pourquoi témoigner sur un sujet qui pourrait l'incriminer? Ah, mais c'est un vrai témoignage, là? Oh putain, ça n'en finit pas! Les ombres vivent hors de portée des habitants de Labyrinthia. Pour elles, je suis la grande sorcière. Toutes celles envoyées au bûcher lors des procès de sorcières deviennent des ombres et vivent dans la forêt. Ça marche, Boba, et je sais pas, ça risque de durer encore un petit peu. Nous existons pour accomplir les tâches données par notre souveraine, la grande sorcière en personne. Pardon, c'est un truc. Je ne suis pas une sorcière et encore moins un esprit vagabond. Par la barbe de mes prédécesseurs, grande inquisitrice Aurora. Vous voulez dire que non seulement vous êtes... Merde. Vous voulez dire que non seulement vous êtes une sorcière, mais vous êtes aussi la grande sorcière. C'est incroyable, Mademoiselle Aurora sera la grande sorcière. Ah ouais? Mais tu penses qu'il y en a carrément pour 2 heures de plus, là? Oh putain. La grande sorcière, ça veut dire que c'est... elle Arcana? Certes, Mademoiselle Aurora est Arcana. J'espère que vous n'avez pas oublié ce qui a été établi il y a de cela quelques instants. 1 heure en plus, putain. Ah, c'est chiant. C'est pas le bon timing. Il est tellement long ce procès, mais par contre, qu'est-ce qu'il est ouf. Essayons, écoutez, mais tant qu'on est là. Mais Inquisiteur Layton, que faites-vous de son témoignage? Cela prouve bien sa culpabilité. J'ai bien peur que dans le feu de l'action, ces révélations ont été mal interprétées. Tout ceci est vain. C'est ce que les habitants de cette ville sont prêts à croire. Tout sera révélé lors du prochain interrogatoire, n'est-ce pas, Monsieur Wright? Non, on peut pas s'arrêter là. La défense peut à présent entamer son interrogatoire. Ce sera une grosse soirée, hein, putain. Mais pas de Minecraft après, du coup, j'en ai bien peur. Les ombres vivent hors de portée des habitants de Labyrinthia. Pour elles, je suis la grande sorcière. Un instant! La grande sorcière? Oui, c'est cela. Par contre, je ne suis pas Arcana. La souveraine de ceux qui demeurent au bois enchanté est appelée la grande sorcière. Même si je voulais être Arcana, je ne pourrais. Comme l'a dit ce si charmant inquisiteur, je ne peux pas jeter de sort. Mademoiselle Aurora, j'ai une question à vous poser. Que vouliez-vous dire par vivre hors de portée des habitants? Cela voudrait dire exactement ce que j'ai dit. Nous vivons réellement dans un monde séparé de cette ville. Quelqu'un disposant de votre intellect devrait avoir déjà trouvé la réponse, non? Peut-être. Attendons de voir, Mademoiselle Aurora. Quoi qu'il en soit, c'est un sujet qui ne peut être abordé. Mais ça n'en demeure pas moins un détail que la défense devrait pouvoir prouver. Ah, elle me lance un défi là ou quoi? Au fait, Mademoiselle Aurora, si vous n'êtes pas la grande sorcière, pourquoi continuer à vous faire appeler ainsi? Pour répondre à cette question, il nous faut d'abord faire la lumière sur l'identité des ombres. Ça va être long. Un instant! Vous êtes en train de nous dire que la Rose Mortem à votre côté est la version ombre de celle que nous connaissons. Vous voyez bien qu'elle a éveillé ses Sharingan. Tout à fait, Monsieur Wright. Elle n'a pas le moindre souvenir de sa vie avant sa venue au bois enchanté. Mais quel genre de sorcellerie est-ce donc? Mais comment? Cette donzelle Rose Mortem, la vendeuse de fleurs, a été envoyée au bûcher juste sous nos yeux. C'est vrai, votre honneur. Mais comme vous pouvez le constater, elle est toujours parmi nous.
Vous voyez, il y a en fait un stratagème derrière le fonctionnement de la chambre d'incinération qui se trouve dans ce tribunal. Un stratagème ? Ils vont lui donner l'astuce, maintenant ils vont vraiment cramer les gens. À l'annonce du verdict, le bourreau met la cage en position, après quoi ceci est scellé. Oh, c'est assez stylé en vrai. Puis, la cage est abaissée dans un foyer ardent. Le dessous de la cage s'ouvre alors, ce qui permet à la sorcière de s'échapper par un passage secret. Si ce que vous dites est vrai, monsieur l'avocat, alors pourquoi avoir instauré une telle tradition de chasse aux sorcières dans ce cas ? À quoi tout ceci a bien pu servir ? Vous et vos chevaliers avez certes chassé les sorcières de la cité. Néanmoins, pas une seule vie n'a été sacrifiée. Voilà la réalité des choses. Mais vous tentez de me faire admettre une éventualité si ridicule. Votre honneur, c'est la vérité. Regardez bien, on ne peut pas faire plus réaliste. Ah, mais c'est vous. Aya, mais... Aya, mais... Il se trompe de nom, c'est marrant. En fait, c'est Maya Fey, votre étourdissime horreur... honneur. Mais qu'est-ce que t'es en train de faire? On va te reconnaître si tu continues. Ben, je crois que c'est bon, là. Ouais, mais voir, c'est croire, Nick. Et là, ils sont obligés de te croire. Vous avez vu? Êtes-vous satisfait? Toutes les personnes condamnées dans les procès de sorcières perdent leur nom, leur pouvoir et leurs souvenirs. Ensuite, elles sont envoyées au bois enchanté et deviennent des ombres. Et la souveraine des ombres est la grande sorcière. Comme vous pouvez le constater, cette fille aussi est devenue une ombre. Aucun mot ne peut exprimer mon scepticisme quant à cette situation. Assez ! Vont nous poursuivre le témoignage. Pourquoi j'ai cette impression que les choses vont se dégrader ? Un instant ! C'est Tâche dont vous parlez. C'est ce que vous faisiez ce soir ? Oui, on m'a commandé de venir ici et de devenir Arcana. Un instant, mademoiselle Mortem. Vous avez bien dit devenir Arcana? Oh, c'est vraiment affreux. Pourquoi donnerait-on une tâche si ingrate à quelqu'un? D'où viennent toutes ces ombres? Silence, silence! Je suis désolé, je ne puis vous dire pourquoi une telle tâche m'a été confiée. Tout ce que je peux faire, c'est suivre les ordres que l'on me donne. Si je peux faire cela, alors enfin, je pourrais rentrer. Comment ça, vous pourrez rentrer? Telle est la nature des ombres. Ni humaines, ni sorcières, leur existence est confinée à l'obscurité. Chaque ombre a une tâche spécifique. Puis, après avoir accompli celle-ci, elles peuvent retourner à la Labyrinthia et devenir une toute nouvelle personne. Mais mademoiselle Aurora, comment peuvent-elles devenir de toutes nouvelles personnes? Ne sait-on pas déjà qui elles sont? D'ailleurs, nous reconnaissons tous ici cette fameuse vendeuse de fleurs. Je dois avouer, votre honneur, que ceci demeure un secret. Vous comprendrez sitôt la signification de tout ceci. Tout à fait déconcertant. C'est la grande sorcière qui nous assigne les tâches. C'est-à-dire vous, mademoiselle Aurora. Pardonnez-moi, je veux dire votre Altesse. Bien que ces explications soient au-delà de ma capacité de compréhension, veuillez ajouter ceci à votre témoignage. Il y a un truc qui colle pas quand même. Hein. Ok. Et on réattaque, on remet une couche. Dites-moi, ces fameuses tâches, vous pouvez nous donner un petit exemple? Une ombre ne peut parler de sa mission à personne, peu importe les conséquences. Elle nous a dit ça alors qu'elle vient de tout nous révéler sur sa mission secrète. D'ailleurs, vous souvenez-vous du moment où vous êtes arrivé à la cité pour mener à bien cette tâche? Pas vraiment, ma mémoire est encore un peu trouble. Au fait, Rose vient juste de devenir une de ces ombres machin. Cependant, j'ai failli à ma tâche. Maintenant que j'y pense, il s'est passé quelque chose quand on est tombé sur elle, Luc et moi. Je me suis fait balayer par une onde de choc jusqu'à l'autre côté du marché. Mais il n'y avait pas d'explosifs ou de poudre à canon dans les parages. Bizarre. Peut-être que Rose avait pour tâche de te faire voler en éclat, Nick. Bref, laissons ça de côté, revenons à nos moutons. Je suis sûr que quelque chose ne colle pas. Bah... Pourquoi ça l'aurait surpris de la retrouver en haut, c'est ça? Un instant! Vous n'avez pas
Vous n'avez plus un seul souvenir de votre passé de vendeuse de fleurs, n'est-ce pas? Je n'en ai pas le moindre, non? Devenir une ombre signifie la perte de tout souvenir concernant votre existence passée. Elles perdent leurs souvenirs, mais pourquoi? Et pourtant, vous semblez vous souvenir du concept de sorcellerie, n'est-ce pas, Mademoiselle Mortem? Laissez-moi vous faire une révélation. La sorcellerie n'existe pas dans le bois enchanté. Oh, mais... Il y a d'ailleurs moult choses qui existent dans ma forêt, mais que je n'ai pas jamais vues dans la cité. Il y a des bugs, comment ça? J'ai pas fait gaffe, il y a quoi? Des choses que vous n'avez jamais vues. Oui, comme d'énormes machines, ce genre de choses, quoi. Il y en a une qui crache du feu et expulse de gros panaches de fumée grise. Une machine qui crache du feu? Jamais je n'ai ouï telle notion. Êtes-vous sûr de ces machines, que ces machines ne sont pas tout simplement de la sorcellerie? Maintenant que vous le dites, je doute que les habitants de la cité puissent voir le peuple de la forêt. Ils ne peuvent pas vous voir. Peut-être que c'est quelque chose qui a le même effet que la tunique. Comment une telle chose peut-elle être possible en sorcellerie? Objection! Oula. Mademoiselle Aurora, je vous interromps un instant, c'est pas elle qui parlait. Qu'y a-t-il, Inquisiteur Layton? Grâce à vos témoignages, nous connaissons tout le procédé qui permet de se changer en ombre. Néanmoins, j'espérais que vous pourriez éclaircir un tout petit détail. À savoir, quelle est la raison d'être des ombres? Si vous souhaitez connaître le but de notre existence, il y a autre chose que vous deviez assimiler. Après cela, la réponse vous semblera d'une évidence déconcertante. N'est-il pas, Monsieur Wright? Hein? La raison d'être des ombres? Comptez sur moi pour ne rien vous révéler. Comme dit le dicton, la sorcière est dans votre temps, Monsieur Wright. On dirait bien qu'Aurora me prend au défi de trouver cette réponse. Défi relevé. Putain, c'est chaud. Un instant! Mademoiselle Aurora, quelle est la raison d'être de ces ombres? Et là, elle le dit. Fallait juste lui demander, en fait. En tant que souveraine, je ne puis vous donner cette information. Très bien. Comme Mademoiselle Aurora refuse de répondre, nous allons devoir nous y appuyer sur des preuves. Des preuves? Je pense que ces ombres ont peut-être un lien avec ce qui existe en cette cité, mais ne devrait pas. Quelque chose qui existe, mais qui ne devrait pas. Bien, monsieur l'apprenti avocat, êtes-vous prêt à présenter une preuve? Allez. Je suis né prêt, votre honneur. Quelque chose qui existe dans cette cité, mais qui ne devrait pas. Je pense que je sais où le professeur va en venir. Je pense savoir aussi, mais... Monsieur l'apprenti avocat, veuillez présenter votre preuve. Oui, votre honneur. Putain, quel enfer. Comment on va faire ça? J'avoue. La magie, non? J'ai envie de dire ça, mais d'un autre côté, là, il y a trop de trucs à choisir. Qui devrait exister... Attends, la raison d'être des ombres est peut-être de s'assurer que cette chose existe à labyrinthia. La magie, les sorcières? Le beffroi? Ah oui, le beffroi. Il est apparu. Prends ça! Putain, non, pas du tout. Mais c'est un rapport avec la magie, quoi. Ça, faut pas que j'oublie que le beffroi, il est apparu de manière random aussi. Bon, c'est pas ça, bien évidemment. C'était un petit éclairci de cerveau qui t'a servi à rien. Tunique d'invisibilité, ça n'a aucun sens aussi. Tiens, par la main, Phoenix. Regarde, c'est par là. De ouf. C'est pas non plus ça qui indique la magie. Est-ce que je montre un sort au pif? J'ai un peu envie de faire ça, en vrai. Genre Draconis. Putain, c'est ça. C'est vraiment ça. C'est la magie, quoi. Quelque chose qui n'existe pas. À mon avis, personne n'aimera ma réponse. Elle risque de bouleverser la cité tout entière.
importe, je dois la présenter, la vérité doit sortir. Depuis mon arrivée à Labyrinthia, je ne compte même plus les événements surréalistes. Lamaris, Noscuris, Portis, Oris, et maintenant Draconis. Le simple fait de prononcer des sortilèges est un crime en soi, n'est-ce pas? Dans cette cité, les sorcières sont arrêtées et passent devant un tribunal de sorcières. Ensuite, on les envoie au bûcher. Mais il se trouve qu'aucune de ces sorcières n'a péri. Leur supposé trépas n'était qu'une supercherie. Et il en va de même pour la sorcellerie. Ça n'existe pas. Insinuez-vous donc, monsieur l'apprenti avocat. Apparemment, il y a de très grandes machines dans le bois enchanté. Rien de tout cela n'existe à Labyrinthia. Ces machines crachent du feu et produisent de larges panaches de fumée. Et la cerise sur le gâteau, c'est que les habitants de Labyrinthia ne peuvent pas voir ces machines. Ça ressemble pourtant à de la sorcellerie. Oui, c'est tout à fait ça, votre honneur. Mademoiselle Aurora, la sorcellerie n'existe pas vraiment dans cette cité. C'est bien la réponse que vous vouliez, n'est-ce pas? La sorcellerie n'existerait point. Baliverne. Putain, j'étais sûr que ce serait un truc comme ça. Il semble que nous sommes arrivés à une fascinante conclusion. Et en même temps, c'est si logique. Le secret de Labyrinthia. Quoi? Comment? Silence, 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 vous dis-je. Que signifie tout cela? Cela signifie que toute la sorcellerie dont cette cité a été témoin n'était rien de plus qu'une illusion créée et mise en scène par les ombres. Mais monsieur l'apprenti avocat, ces sorcières, nous les avons pourtant clairement vues faire usage de sorcellerie. Concentrons-nous un instant sur les méthodes employées par les ombres. Les méthodes? Qu'est-ce qui lui est essentiel pour pouvoir jeter un sort? La sorcière doit posséder un sceptre et prononcer une incantation pour pouvoir jeter un sort. Et les sorts qui peuvent être jetés dépendent des gemmes incrustées dans le sceptre. D'après vous, à quoi sert-il d'avoir de telles exigences pour pouvoir utiliser la sorcellerie? Que voulez-vous dire par là? Ces exigences ne sont pas là que pour permettre à quelqu'un de jeter des sorts. En réalité, elles servent à indiquer aux ombres qui est à même d'utiliser la sorcellerie. Il est possible que les sorcières aient toujours été sous la surveillance des ombres. C'est pour cela qu'elle portait cette tunique. Elle se cachait jusqu'à ce qu'on ait besoin de créer de la sorcellerie. Créer ? Tout à fait. Il y a toutes sortes de sorts dans ce grimoire. Cela poserait un certain nombre de problèmes si elle pouvait utiliser n'importe quel sort à outrance. Ouais, ça rendrait leur travail de ces ombres bien plus difficile, ça c'est sûr. Précisément, c'est pourquoi il était impératif d'imposer des restrictions quant à l'utilisation de la sorcellerie. Ah, vous parlez du sceptre, hein, professeur ? Certes, je comprends mieux pourquoi le sceptre ne contenait que 2 gemmes. Puis, il y a l'incantation. Que se passerait-il si une sorcière pouvait tout simplement murmurer une incantation, ou même ne rien dire du tout? Ça, ce serait la grande classe. Je jetterais des sorts jour et nuit en toute discrétion. Maya, on a passé tout un procès à prouver que t'étais pas une sorcière, non? Les sorcières devraient forcément donner un signal. Ou alors, les ombres n'auraient eu aucun moyen de savoir quand elles devaient jeter un sort. Vous avez raison, monsieur Wright. Les incantations servaient donc à prévenir les ombres quand une sorcière était prête à jeter un sort. Ma barbe, jamais je n'aurais pensé que ces exigences servaient à cela. Oh là là. À présent, revenons sur les précédents événements où la sorcellerie a été utilisée. Enlever une chèvre et la transformer en or, ils ont juste fait une statue, quoi. Notre première rencontre avec cette sorcière s'est passée il y a quelques nuits avec le sort Flammaris. Ce sort n'en était pas un. C'est tellement moins crédible comme ça. Il s'agissait tout juste d'une flamme crachée par une machine contrôlée par les ombres. Cela veut donc dire que Noscuris... Un sort qui fait disparaître une personne? Ça ne fait aucun doute, il s'agissait de cette tunique. Ensuite, il y a eu l'incident dû au sort Oris, qui m'a transformé en une statue dorée. On va voir. Bien que je mesure l'absurdité de cette affirmation, j'en déduis pourtant que... On touche le boule. Les ombres ont fabriqué une statue d'or et on l'a substituée à ma personne quand l'incantation a été prononcée. Professeur, c'est pas plus absurde que tout ce qui s'est passé jusque-là.
Nous pouvons donc conclure que toute la sorcellerie utilisée à Labyrinthia a été créée dans un dessin semblable. Que répondez-vous à cela, Mademoiselle Aurora ? Je n'en attendais pas moins de vous, Inquisiteur Layton. Hein ? Et moi ? Il y avait à tout moment entre 5 et 10 sorcières de la cité. Les ombres les suivaient en permanence. C'était bien plus simple que vous ne l'imaginez. Voyez-vous, des centaines d'ombres vivent dans les bois enchantés. Il suffisait juste d'effectuer un système de roulement pour que les ombres puissent surveiller chaque sorcière. Je dois avouer, Mademoiselle Aurora, que le nombre d'ombres est assez conséquent. Il n'y a pas que les sorcières condamnées au bûcher qui rejoignent le groupe des ombres. Leurs victimes aussi devenaient des membres permanents du bois enchanté. Mais dans ce cas... Et ces deux brigands qui ont été carbonisés ? Ah oui, vous faites référence à Gruge et Larron. Malgré leur apparence plus que douteuse, c'était mes meilleures ombres. Des brigands métamorphosés en ombre. Mais moi, j'aurais pas pu inventer un truc pareil. Je ne puis croire tout ce que j'ai, oui. Oh, ça calmait tout le monde, hein. Il y a pourtant un détail qui continue de me tracasser. Et qu'est-ce donc ? Comme nous venons de l'expliquer, il est impossible que la sorcellerie soit réelle. Mais en pensant à l'échange avec la statue en or qui a servi à donner l'illusion d'une transmutation, j'ai réalisé quelque chose. Ouais, il a grave la classe. T'as vu, il n'y a même pas Luc qui va, c'est vraiment parfait pour toi. Hein. Ni moi, et je pense aussi Mademoiselle Fay, n'avons le moindre souvenir du moment où le remplacement a eu lieu. Le grand remplacement, lol. Eh, mais c'est vrai ça. Le professeur est devenu tout bling bling avant que je puisse cligner des yeux. Tout bling bling. D'où la question. Comment et quand cette statue a-t-elle été créée? Et quand a-t-elle été intervertie? En effet, c'est un mystère. Il en est de même pour le sort Portis. Il est censé créer une porte entre deux murs de couleur verte. C'est un fond vert. C'est peut-être pour ça que le sort ne fonctionne que sur les murs de couleur verte, Monsieur Wright. Pourtant, les ombres n'auraient jamais pu préparer des portes aussi rapidement. Je suis d'accord, mais réfléchissons un peu. Nous pouvons voir que tous ces sorts ont quelque chose d'assez étrange en commun. Quelque chose en commun ? Oui, tout à fait. Comme si l'instant avant, après l'incident, disparaissait. De plus, tout souvenir que j'aurais pu avoir s'est tout bonnement volatilisé. Je viens de comprendre, Nick. C'est comme ce qui est arrivé à Rose, elle se rappelait plus du tout de son existence à Labyrinthia, hein ? Oui, oui, je n'ai point souvenance de cette Rose dont vous parlez. Et, mais oui, je crois que ça louche que les ombres puissent revenir en ville une fois leur tâche accomplie. T'as raison, Maya. Je veux dire, les habitants sont quand même censés se souvenir d'elle, non ? Oui, c'est comme quand Rose a pété les plombs en pleine séance alors qu'elle a été envoyée au bûcher. Quelle éloquence, Monsieur Wright. C'est pourquoi on ne peut pas dire que cette illusion est majoritairement due à des machines. Plus simplement... Oh, il doit y avoir un moyen d'affecter les souvenirs de tous les habitants de cette cité. Un temps trafiqué et des souvenirs perdus. Voilà qui est intéressant, monsieur l'inquisiteur. Vous avez raison. Il y a en fait un secret dissimulé dans les confins du bois enchanté. Pas difficile à lui tirer le verre du nez, hein. Quelque chose que les habitants de la cité ne peuvent observer. Quelque chose qui leur vole leurs souvenirs et leur temps. C'est le lien entre ce que vous avez ouï ce soir, un secret aux proportions monumentales. Laissez-moi deviner. Et c'est... Bien sûr, un secret que la grande sorcière du bois enchanté ne peut révéler, c'est bien ça ? Exactement. Excellente déduction, Monsieur Wright. Juste nous foutre le somme. Les âmes de ces sorcières errent sans but dans le bois enchanté. Jusqu'à aujourd'hui, j'avais toujours pensé que tout ceci n'était que courte et légende pour enfants. Mais il est désormais clair qu'une grande communauté vit dans la forêt. Le tribunal des sorcières est la frontière entre ce monde et l'autre monde. Dans ce cas, ça veut dire que vous n'êtes pas seulement la grande inquisitrice de Labyrinthia dans ce monde. Vous êtes aussi la souveraine des ombres dans cet autre monde, plus connu sous le nom de grande sorcière. Puis-je intervenir, monsieur Wright ? Bien sûr. Pour être tout à fait honnête avec vous, un petit détail ne concorde pas avec le reste. Je pense notamment au témoignage précédent de Mademoiselle Aurora. Le témoignage précédent ? Oh non, ça m'est déjà sorti de la tête. Nous avons réussi à extraire une vérité essentielle de ce témoignage. Vous parlez du fait que la sorcellerie n'existe pas à Labyrinthia, voilà une vérité essentielle, quoique choquante. Et pourtant, une autre vérité se cache encore derrière ce témoignage. Il y aurait autre chose dans ce témoignage ?
J'ai dû vérifier le dossier de l'affaire de long en large, mais il n'y a plus la moindre contradiction. Avez-vous déjà oublié, Monsieur Wright, quand il ne reste plus aucune preuve? Nous disposons d'une arme à même de mettre à jour la vérité. Ah oui, j'ai trouvé, Nick, c'est la logique. Souviens-toi, dans un procès de sorcière, tu peux interroger deux témoins en même temps. Eh, mais c'est vrai ça, j'avais complètement oublié. Pour analyser deux témoins en même temps nous aidera forcément à trouver une contradiction là-dedans. Et cette contradiction devrait nous fournir l'indice qui nous manque. C'est juste ça leur truc. Je suis pas sûr de la stratégie du professeur, mais je crois en son expertise. De toute façon, je veux mettre fin à ce procès. Si je veux mettre fin à ce procès, je vais devoir lui faire confiance. Très bien, nous allons maintenant examiner le témoignage de Mademoiselle Aurora plus rigoureusement. Et voilà, c'était le témoignage de Mademoiselle Aurora. Il y a une contradiction flagrante entre cette déclaration et les précédentes. Préparez-vous, Monsieur Wright. Oh là là, toujours pas fini, non, c'est long. C'est si long. Je sais même plus comment ça marche. Oh non. Oh, je me suis chié dessus. J'ai eu une erreur, j'ai cru que c'était finito là. Ok, ok, tout va bien. Donc, les zombivores de portée des habitants de Labyrinthia, je suis la grande sorcière. Donc là, on peut juste interroger, on est d'accord, hein? On perd pas de vie si on l'interroge, là. Une chance sur quatre. Ah, merde. Non, l'interroger, c'est finito. Ça va, moi j'arrive à réfléchir. Mademoiselle Aurora était notre vénérable souveraine. Elle seule nous a désigné les tâches. Moi je pense qu'il y a une couille là-dedans, parce que ça n'a pas l'air prévu le fait qu'elle se retrouve les deux en haut du beffroi. Objection! Votre honneur, il y a manifestement une gigantesque incohérence entre ces deux témoignages. Mademoiselle Aurora a déclaré être connue sous le nom de la Grande Sorcière. Par contre, d'après le témoignage de Mademoiselle Mortem, Mademoiselle Aurora était sa vénérable souveraine, la Grande Sorcière. C'est exact, elle l'était, la Grande Sorcière. Ah, vous remarquerez qu'elle parle au passé. Au passé? Ma grand-mère n'étant plus qu'elle fut, vous pourriez préciser votre pensée? C'est très simple. Mademoiselle Aurora était la souveraine des ombres, ou devrais-je dire leur grande sorcière. Par conséquent, elle n'est plus la grande sorcière. Plus la grande sorcière? Mademoiselle Mortem, serait-ce la vérité? Hein? Vous avez parfaitement entendu, votre honneur. J'ai abandonné mon statut de grande sorcière afin de pouvoir mener à bien cette tâche. Et quel en était le but? Il s'agissait du meurtre du narrateur, votre honneur. Mademoiselle Mortem, au début de ce procès, vous avez déclaré... Vous êtes rendu à la cité afin d'accomplir une tâche, n'est-ce pas? C'est pas elle qui l'a donnée, voilà. De plus, vous avez déclaré que celle-ci consistait à invoquer le dragon de feu. Donc cette tâche, est-ce que c'est Mademoiselle Aurora qui vous l'a confiée? Non, ce n'était point elle. Dans ce cas, la question que l'on doit se poser est la suivante. Qui vous a confié cette tâche? Qui vous a dit de venir à Labyrinthia et d'oxyre le narrateur? Autre que le narrateur lui-même? Je ne puis vous le dire, peu importe les conséquences. D'accord, donc Mademoiselle Aurora n'est plus la grande sorcière. Donc ça veut dire que le cerveau derrière toute cette histoire est... Il semble que la défense, elle aussi, ait résolu cette énigme. Monsieur Wright, vous savez qui a confié cette tâche à Mademoiselle Mortem ce soir, n'est-ce pas? Monsieur l'apprenti avocat, veuillez éclairer cette cour de votre savoir. Pas sûr, hein, mais bon. Prends ça! Évidemment, hein. Le narrateur?
Nous parlons ici d'une personne avec l'autorité et le pouvoir de remplacer la grande sorcière. Quelqu'un qui décide. Mis à part le narrateur, je ne vois pas qui pourrait correspondre à ces critères. Grotesque, ça voudrait donc dire que... Exactement, votre honneur. Ça veut dire que le narrateur a lui-même confié cette tâche à Mademoiselle Mortem. Il a en d'autres termes commandité son propre trépas. Oh. C'est Dalton, oui, bien sûr. Silence, silence, j'existe le silence immédiat. Mais à quoi cela a bien pu... À quoi cela a bien pu servir? Pourquoi aurait-il commandité son propre meurtre? Ça, c'est un mystère, votre honneur. Le chapitre final de l'histoire parle en effet d'un trépas. Il a dû avoir une bonne raison de confier lui-même cette tâche à Mademoiselle Mortem. Mais il n'y a que quelque chose de plus étrange. Je parle bien sûr de votre comportement ce soir, Mademoiselle Aurora. Qu'y avait-il de si étrange dans le comportement de la grande inquisitrice? Vous étiez la souveraine des ombres, et pourtant vous avez tenté de modifier les plans du narrateur. Vous avez fait s'évanouir Mademoiselle Mortem et l'avez enfermée au sommet du beffroi. Ça ressemble à mes yeux, ou du moins au comportement de quelqu'un qui aurait voulu mettre un terme à ce plan. En effet, Mademoiselle Aurora, quelles sont les raisons d'un tel comportement? C'est à vous de découvrir ceci, Monsieur Wright. D'après les rebondissements constatés durant ce procès, la défense pense que Mademoiselle Aurora a une raison d'avoir agi ainsi. Elle a le seum. C'est une raison très simple. Ce plan lui a été transmis par le narrateur en personne. Mais quelles étaient les véritables intentions de Mademoiselle Aurora? Entre les trois, là... Je pense... Il y a forcément un truc avec Arya. Elle voulait faire porter le chapeau à Arya, mais pourquoi? Parce que de toute façon, il devait se faire tuer, entre guillemets, donc ça, c'est, elle sait que c'était pas vrai. Je pense qu'elle voulait saboter le plan, juste. Merde, c'était pas ça. Je vois qu'une seule raison qui aurait pu pousser Mademoiselle Aurora à dissimuler ses actions de ce soir. Elle voulait saboter le plan. Saboter? Réfléchissez-y un instant, si c'était ça. Son patron l'a forcé à abandonner son rôle de grande sorcière. Je dirais que saboter et mettre fin au plan de votre patron pour vous venger est une raison tout à fait plausible. Non? Bon, c'est pas ça. Oui, c'est ça, ouais. Oui, effectivement. C'est pour bête. C'est un acte de trahison. Bon, bah on garde comme ça, tant pis. Une trahison? Mais bien sûr. J'aurais dû le voir venir à un kilomètre. Bon, ça va ta gueule. Hein. Le narrateur a utilisé la grande sorcière Arcana afin de mettre fin à ses jours. Des instructions pour mener à bien le plan ont été confiées à Mademoiselle Mortem. Cependant, Mademoiselle Aurora est intervenue et a changé le scénario au dernier moment. De fait, elle a tenté de faire passer Mademoiselle Novella pour la grande sorcière à la place de Mademoiselle Mortem. Tout cela nous a amené à la situation présente. Mademoiselle Novella est jugée pour le meurtre de son père en tant qu'Arcana. Mademoiselle Aurora, si je ne m'abuse, vous semblez entretenir une forte haine envers le narrateur. De la haine, dites-vous. Oui, oui, on pourrait dire cela. Putain, ça doublez-vous à un moment, j'en peux plus. Dans ce cas, observez ma revanche. Avez-vous dit revanche? Mademoiselle Aurora, pourriez-vous préciser de quelle revanche vous parlez? Quel est votre souhait? Ah, donnez-moi du répit, putain, j'en peux plus. Oh non. La grande inquisitrice, mais aussi la grande sorcière. Longtemps ai-je arboré ces deux masques, la protectrice de Labyrinthia et aussi l'annonciatrice de sa destruction. Autrement dit, je n'étais là que pour servir le narrateur. Malgré tout, il a fait le choix égoïste d'écrire la fin de l'histoire après ses propres règles. Il n'avait que faire de moi et des habitants de la cité. Il nous a pris notre dignité et se jouait de notre destin. De fait, les événements dont nous avons été témoins ce soir ne sont que les lâches actions d'un homme tentant désespérément de mettre un terme à quelque chose qu'il ne pouvait finir. Il était narcissique et ne pensait qu'à lui, d'où cette soudaine fin de charlatan qu'il nous a concoctée. Et pour cela, jamais je lui pardonnerai.
Que voulez-vous dire par soudaine fin de charlatan ? La grande sorcière Arcana doit invoquer un dragon de feu et mettre fin au jour du narrateur. Elle sera ensuite jugée, ce qui annoncera une période de paix et de prospérité dans tout Labyrinthia. Si la fin telle qu'elle a été écrite pour la cité et son peuple. En principe, cette fin ne me pose pas de problème. Qui ne souhaiterait point une fin heureuse pour son peuple ? Par contre, il y a un problème quant à l'identité d'Arcana. L'identité d'Arcana ? Comme vous le savez, le narrateur a confié le rôle de la grande sorcière à cette donzelle à mes côtés. Mais vous pensez qu'il s'agit d'un mensonge, n'est-ce pas ? Je connaissais la véritable identité d'Arcana. Ce n'est pas une chose qui s'oublie. C'est pourquoi je me suis rendu au beffroi, et c'est pour cette même raison que j'y ai amené l'accusé. Je l'ai fait pour m'assurer que la véritable sorcière, celle de légende, reçoive le jugement qu'elle mérite. La véritable sorcière ? Vous parlez de... Oui, je fais bien sûr référence à Aria Novella. Un moment qu'on l'a pas entendu, celle-là. Objection ! Mademoiselle Aurora, il y a une énorme contradiction dans votre témoignage. Et qu'est-ce donc ? Tout le monde sait qu'Arcana est capable de jeter des sorts. Pourtant, rien ne pourrait être plus faux. La sorcellerie n'existe pas dans cette cité. Ce n'était qu'une illusion très élaborée créée par les ombres. Par conséquent, la grande sorcière Arcana n'existe pas. Ouvre-fou. Monsieur Wright, vous l'ignorez donc vraiment ? Attendez, l'apprenti avocat aurait donc tort. Si la sorcellerie n'existe point, il va de soi que les sorcières ne peuvent exister. Y compris la grande sorcière, n'est-il pas ? C'est vrai. Ils n'ont fait que nous mentir pendant tout ce temps. Ramassis de l'os. Arcana n'existe point. Monsieur Wright, il y a une erreur de taille dans votre plaidoirie. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je n'ai qu'une seule question. Qu'est-ce qu'Arcana ? Hein ? C'est censé être la reine de toutes les sorcières. Permettez-moi de reformuler ma question. La grande sorcière Arcana est l'annonciatrice de la destruction à Labyrinthia. Sachant ceci, de quelle catastrophe est-elle responsable ? C'est sûrement... Je viens de penser à quelque chose. On n'arrête pas d'entendre son nom depuis qu'on est arrivé, mais on n'a jamais vu cet Arcana en personne. En effet, Mademoiselle Fay, Arcana était pratiquement absente de l'histoire jusqu'ici. Mais Inquisiteur, n'est-elle point prétendue au meurtre du narrateur ce soir ? C'est apparemment le cas, votre honneur. Néanmoins, il nous reste un point à éclaircir. Voilà. Quelle histoire est connue de tous les habitants ? C'est sûrement le grand incendie. Le grand incendie, non ? Précisément. Vous n'êtes pas sérieux. Ce n'est qu'une légende. Personne n'est sûr de son authenticité. C'est la rumeur, mais la réalité nous prouve qu'il subsiste des traces de ce terrible feu à certains endroits de la cité. Le professeur a raison. Nous les avons vus de près. Et ouais, c'était à la grande bibliothèque. J'en conviens, Inquisiteur. Des vestiges d'un feu ardent sont éparpillés à travers la cité. Malheureusement, personne n'est vraiment sûr de ce qui a pu se passer. Et en fait, pas une âme n'a été témoin de l'événement. Voyons si j'ai tout compris. On a une cité pleine d'habitants, mais pas un seul n'a été témoin de ce qui s'est passé. Exactement, tous sauf une personne. Quoi ? Une personne a été témoin de tout ce qui s'est passé, c'est Aria. Je parle bien sûr de la personne responsable du feu à l'origine, la grande sorcière Arcana. Oh, il dit des termes, là. Oui. Je me souviens de tout. Qu'est-ce que tu dis, Aria ? Je peux le voir très clairement lorsque je ferme les yeux. Une terrible vision de flamme qui engouffre tout ce qu'elle touche. Cette sensation de brûlure sur ma peau, l'odeur de cendre fumante tout autour... Les larges panaches de fumée noire, les larmes qui ruisselaient sur mon visage. Je me souviens de tout ça. Le rythme était bizarre.
Ces souvenirs sont ceux du moment où la grande sorcière Arcana a détruit notre cité. Bien, il me semble que ma présence ici n'est plus nécessaire. Quant au risque du procès, au reste, je laisse tout cela entre vos mains, inquisiteur. Elle disparaît comme ça. Elle se barre. Qu'est-ce que... Mademoiselle Aurora, elle... Elle s'est volatilisée. Elle a dit la vérité. Ses souvenirs... Ils prouvent que je suis Arcana. Mais enfin, Aria. Monsieur Wright. Hein? Souvenez-vous, si vous le pouvez, de ce que j'ai dit au début de ce procès. Je suis ici pour prouver qu'Aria est en fait la grande sorcière Arcana. Il reste un dernier élément que je souhaite présenter à cette cour. J'aimerais appeler un dernier témoin à la barre. Le narrateur, c'est ça? Un dernier témoin? Un instant! Oh, les bimes. Ah, je crois qu'il est arrivé. Ah, les bimes. Mesdames et messieurs, je vous présente mon ultime témoin, le narrateur. Ouais, bah ouais. C'est pas grave, on le fait. Jusqu'au bout. Et d'un coup, il est apparu. L'homme qui, quelques heures auparavant, n'était plus. C'est la victime principale dans cette affaire, le narrateur en personne. Ah ouais, oh putain. Le professeur avait choisi un témoin de taille. L'aube approchait à grands pas. Comment ce procès allait-il se terminer? Personne ne pouvait le deviner. Non, mais si c'est un chapitre en plus, là, encore une heure, sérieux. Oh, j'aurais dû arrêter avant. On est déjà à 2h30, là. Non, c'est encore aussi long. 10e chapitre. C'est oméga long, putain. Le commencement. Ah bah c'est l'épilogue. On va s'arrêter à l'épilogue. Ah oh, putain. Allez. On se fait violence. Je ne sais pas quoi dire. Quel choc. Le narrateur est de retour parmi nous. Tu vas regretter. Vous êtes sérieux? Ah. À ce point-là, vraiment. Je n'avais pas l'intention de réapparaître. Est-ce qu'on s'arrête là ou on fait quoi? On finit, on va jusqu'au bout ou on s'arrête là? Parce qu'après c'est quoi? On va faire un live de même pas une heure? C'est pas fini le procès là? Putain. Est-ce qu'il y en a vraiment pour une heure voire plus? Faudrait qu'on sache parce que sinon ça va être l'enfer. Qu'est-ce qu'on fait? On reprend ça du coup un autre jour? Bien sûr, Minecraft. J'aimerais bien en vrai. Hein. Je suis pas contre. Un tout petit peu de Minecraft parce que je veux pas faire trop tard non plus. Ah. Bon, ce qu'on peut faire. Oui, merci. Merci Nebi. Faut que je change mon planning parce que vendredi je ne suis plus dispo et que jeudi je suis dispo. Bah, je vous propose qu'on finisse ça jeudi en vrai. On finisse ça jeudi et direct après on fait du Minecraft. Parce que jeudi je serai dispo finalement. On fait ça. Sinon ça va être trop chiant et il faudra que je change mon planning. Allez, au revoir la VOD.